The swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeem.
tous devant tes yeux. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras ce que tu
attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Bonjour l'Église. La Bible dit: Dieu bénit le septième jour. Il en fit pour son peuple une fontaine perpétuelle de rafraîchissement spirituel pour les temps à venir.
Puis il sanctifia le septième jour, il le mit à part et en fit un jour saint, un temps spécial chaque semaine pour nous rappeler nos débuts, nos origines. Et nous disons Amen. Chers et frères, département École du Sabbat, li souhaite nous une bienvenue dans l'école la matin. Pour nous capables de débuter à programme, nan, nous mettons debout, nous chantons dans le numéro 32. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Le psaume 92 avec sœur Léonie.
Psaume 92, Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal en fleurissent, c'est pour être anéanti à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de cerveaux verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Papa, nous qui en haut dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous glorifions. Nous disons merci pour bonté envers nous. Merci pour grâce. Merci pour miséricorde envers nous. Nous pas mériter ça, Seigneur. Nous disons merci pour ce maintenant où tu me maintenant passé à l'ombre de tes ailes. Où tu es avec nous, où tu gardes nous, où tu protèges nous. Nous pas mériter ça. Mais c'est parce que tu es bon envers nous. Ça crée ou pas nous toute protection, ça yo. Mais nous ne pouvons pas faire rien, nous ne pouvons pas mériter rien pour nous être capables de protéger nous comme ça. Nous disons merci, Seigneur, pour l'amour envers nous. Dans le moment ça, Seigneur, ou conduit pas nous dans le temple. Côté que nous venons adorer dans le jour qui est réservé à nous-mêmes. Côté ange dans le ciel, la bonne gloire, honneur que nous-mêmes seuls mérité. Nous-mêmes en tant que pécheurs, nous osons pour nous associer avec ange ça yo. Pour nous capables de gloire, honneur que nous-mêmes seuls méritons. Dans le moment ça, nous demandons papa, pour capable laver nous, pour capable purifier nous, pour capable sanctifier nous dans le sang Jésus-Christ petit tout. Et permettre à ce que l'adoration, louange que nous avons fait monter vers nous-mêmes matin, ça, eh bien, nous capable de monter jusqu'au trône, nous, Seigneur. Dans le moment ça, nous ne conduisons pas nous dans l'école, nous, oh Seigneur, côté que nous venons instruits, et bien par nous-mêmes. Nous demandons, papa, permettez à ce que nous capables de réceptifs, que le son que nous avons inculqué dans nous-mêmes, eh le son ça est capable de servir nous pour vie spirituelle, nous, et comme ça, nous capables de partager le son ça avec l'autre monde, Seigneur, qui va prendre nous. Dans le moment ça, Seigneur, nous levons chaque élève, moi, des oliviers devant. Il y a un élève qui vient à l'heure, et nous le présentons au devant. Dans le moment ça, il y a un élève qui est en route. Nous demandons, capables de conduire par eux. Et on capable permettre à ce que vous arrivez dans l'école là en bien. Et on capable prendre disposition tout, Seigneur, pour capable toujours à l'heure dans l'école là. Et gagner tout qui la caille, nous demandons que qui a fait plan pour venir et permettre à ce que vous capable arriver en bien. Et gagner tout, Seigneur, c'est sous ligne y a prêté, yo la caille sur tout sur réseaux sociaux. Nous demandons Seigneur, quel que soit côté ligne ça ouvre. Et mais nous demandons, capable de bénir les élèves, capable de protéger eux, et capable de permettre à ce que vous capable d'apprendre de vous-même tout matin. Vous capable de bénir chaque élève des Oliviers, et vous capable de bénir tout élève dans le monde entier, tout adventiste du 7e jour, et permettre à ce que Seigneur, vous capable d'instruire de vous-même.
pour capable bénir la direction, permettre à ce qu'il est capable toujours disposer et pour mettre des instructions à disposition nous et comme ça vous capable former nous pour le ciel. Bénis-nous Seigneur, tant de cris nous, tant de supplications nous. Nous prions, c'est parce que nous sommes bons et nous justes. Mais nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Matin, nous connaissons ce deuxième sabbat. Deuxième sabbat qui est consacré à qui ça? Fond de placement. C'est sabbat ça qui est réservé à chaque monde qui veut faire expérience avec bon Dieu. Parce que nous connaissons fond de placement, c'est un bagage qui est réel lié, son acte de foi. Ou bien en difficulté, ou à confronter, ou dit Seigneur, moi je voulais mettre ça, je voulais consacrer au fond de placement. Et nous mettre quoi si nous voulons. Bon Dieu a répondu à prière nous parce que bon Dieu remet le nom agit foi nous. Donc pour nous capable faire ça, on a demandé pour yon moun mette corbeille là devant pour nous et moun qui voulait participer, yon capable passer devant pour que nous capable déposer offrande que nous té porté. Et ou même qui la caillou ou capable faire ça tout. La kotoye a ou capable agir foi. Si c'est pour la première fois, moi invite au faire expérience avec bon Dieu. Pendant que vous apprenez 10 mois à offrande ou capable tout mettre fond de placement dans la donne. Après chanter département de l'école du sabbat. Département de l'école du sabbat, fond de placement, offrande de gratitude, venez déposer joyeusement ce que vous avez. Pour Jésus, venez déposer joyeusement ce que vous avez réservé. Département, département de l'école du sabbat, fond de placement, offrant de gratitude, venez. Si premier ancien nom là, s'il est prêt, il est capable de faire une prière pour nous sous offrande fond de placement. Merci. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom soit béni, dès maintenant et à jamais. Nous voulons te remercier infiniment pour cette possibilité que tu nous donnes d'être à tes pieds en ce moment, pour que nous soyons capables d'adorer en esprit en vérité, alors que maintenant nous venons offrir au cœur nous, côté que nous portons le barou en l'offrande, mais aussi nous venons avec en offrande en main nous qui souillait. Nous demandons de grâce acceptée pour nous, et permet à ce que l'offrande soit capable d'utiliser à bon escient, et qu'est-ce que ton évangile capable de prêcher, et des âmes sincères capables d'entrer au bercail et Jésus capable de retourner. Fais-nous du bien, sauve-nous, garde-nous ta paix et ta grâce. Nous te réclamons toutes ces choses en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci, premier. Donc, matin, je me sens content. Est-ce que nous voulons connaître pour qui ça me content matin? Je suis content parce que matin, école du sabbat, gagner musique la donne. Oui, content parce que chaque sabbat, nous toujours gagne musicien oui, mais nous gagne seulement accordéon qui accompagne nous. Mais matin l'école en plus animée et nous disons merci spécial avec frère Fédri avec toute petite garçon qui permettent que l'école en capable animer matin. Et m'a profité de nous que geste ça que nous fait à bon Dieu prendre note parce que nous connaissons bon Dieu remet lorsque nous présents nous venons à l'heure dans rendez-vous que le ba nous et nous permettre que programme yo animé bon Dieu prend plaisir dans ça
Merci à chaque élève qui était venu à l'heure pour l'école n'était capable possible. M'a demandé nous continuer faire comme ça. Jean sœur Jésus m'a dit matin, il pas veut faire dans jour fâché, il vient bonheur. Donc on nous pas piétiner dans jour, on nous venir bonheur afin que l'école n'est capable possible. Merci. Donc nous allons passer dans révision leçon nous avec ancien parti Cadestin, n'a chanté avec zèle à ton école. Avec zèle à ton école, je viens, Seigneur Jésus. Capable participer dans le son hein? Et école du sabbat nous rendez-vous à sabbat prochain. Merci. Chers étudiants de la Bible, frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes captant de nous à travers les réseaux sociaux, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Nous comptons pour nous capables ensemble dans le cadre de révision, leçon que nous avons étudié pendant la semaine. Pas oublier nous dit révision parce que leçon, c'est une synthèse que nous avons fait. C'est, alors, ce n'est pas un cours de formation, c'est pas une formation que nous avons fait, mais nous avons juste dit nous que le sabbat, c'est synthèse de leçon et pousser réflexion plus loin pour nous tirer des éléments essentiels. C'est ça et moi-même que m'a fait et ça fait et directrice a demandé participation nous chaque dans cadre réflexion ça. Et il important pour nous dire nous chers étudiants de la Bible que leçon trimestre ça est surtout axé sur le livre de Théonome. Et livre de Théonome ça qui dans cinq livres premier livre la Bible là qui c'est Pentateuque là l'hypothèse en lit histoire qui vieille de plus de 2800 années et gon bagaille que le véhiculer li véhiculer en même temps yon message spirituel qui toujours actuel pour l'église journée jodia et yon nan ba nous de retenu en tant qu'élève c'est en tant qu'étudiant. Donc, questionnaire là, ou bien un thème livre de Théonome, non, c'est alliance. Et l'un dit alliance, nous alliance entre deux personnages, entre bon Dieu et l'homme. Avant d'entrer dans la leçon et cette là que nous avons étudié pendant la semaine, baissez tête nous pour nous faire un coup de prière. Éternel notre Dieu, notre Père, ou même qui c'est instructeur par excellence, nous demandons s'il te plaît, effacez-nous de homme charnel que nous y est. Prends contrôle la vie, nous. Prends contrôle pensée, nous. Prends contrôle salle, prends contrôle réseaux sociaux, et permettre que nous capables amplement faire provision nécessaire dans le cadre de course que nous avons mené ici-bas. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers étudiants de la Bible, nous, à travers leçon qui t'est passé, à leçon 6 là, oui, qui te gen pour titre et quelle est la grande nation. Grand pile bagay que nous te tiré que nous papa chita sou li parce que leçon ça matin, m'envie font ti chita sou li parce que leçon semaine ça, leçon 7 là qui gen pour titre comment oublier la loi et la grâce. Li gon attention particulière toute particulière nous supposé mettre sou li. Et on va l'inviter nous à faire des analyses et faire des réflexions. Remarquez bien leçon 7 là li commencer par un verset à mémoriser que grand pile questionnement de ka faire autour de lui. Li dit qui ça? Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Nous jeunis dans Galates 2 verset 21. Et verset à mémoriser li en connexion directe avec leçon jeudi. Dans leçon jeudi, remarquez bien
auteur là prend leçon pour dire nous bagaille dans toute religion chrétienne et toute religion biblique en réalité il dit nous trouver grand thème ça qui c'est la justification par la foi seule. Et comme nous même leçon il définit en fonction à la lumière de sa sœur White dit dans The Faith I Live by yeah. C'est ça. Il dit comme ça, qu'est-ce que la justification par la foi? Qui ça le dit? Il dit, c'est l'œuvre de Dieu qui dépose la gloire de l'homme dans la poussière et qui fait pour l'homme ce qu'il est impuissant à faire pour lui-même. Il dit, quand les hommes voient leur propre insignifiance, ils sont prêts à être revêtus de la justice de Christ. Est-ce que nous avons une connexion directe là entre verset à mémorisia et leçon jeudi à qui parle nous de question de la justification par la foi? La loi et la grâce. Chers étudiants de la Bible, il y a un pile monde qui pensait que observer la loi c'est des arriérés. En gros français, on dit c'est des monde qui rétrograde qui fait ça, c'est ta capable vivre non ancien temps. C'est ça que on dit. La loi c'est pour ancien testament, c'est pour ancien moun yo, li pas pour nous. Li important pour nous dire non parce que nous étudier leçon ce maintenant parce que Jean le dit dans pensée centrale là, pensée centrale là après verset à mémoriser à nous jeune pensée centrale leçon. Il dit la loi li c'est standard de sainteté et de justice de Dieu. Et l'on viole la loi, y aurait le comment ça? Non, pensez central là. Bon, m'bap dit parole, pam, dandé bien. C'est pas moi qui dis non. Mais en français, mais qui ça le dit? La loi est le standard de sainteté et de justice, et la violation de cette loi s'appelle le péché. Non, pensez central là. Ça veut dire, après verset à mémoriser, au jeune, pensez central là. C'est là que le jeune. Donc, il dit, ça a le comment? Péché. Mais qu'il y a, dans le développement leçon, dans le son, nous voyons que dans le ciel, là, tu as une loi. Pour qui ça, tu as une loi dans le ciel, là? Alors que tu as des êtres, il dit, dans le ciel, là, des êtres qui sont péchés. L'important pour nous connaître, dans le ciel, certes, il y a des êtres sans péché. Mais il faut nous rappeler surtout que c'est des êtres créés que vous avez. C'est des anges. Et en tant qu'être créé, il n'y a pas adoré Dieu, il y a travail en collaboration avec Dieu. Et pour l'homme tout, parce que l'ange au service nous tout, eh bien, bon Dieu, il dote de un sens moral. Et sens moral, ça, il permet pour capable reconnaître ça qui est bien et ça qui pas bien. Et nous sommes capables de dire un mot qui ça. Moun ça, c'est être ça, c'est pas des robots qui ont. Et puisque on pas des robots, eh bien, nous jouons que pralgon être également qui était en tant qu'être créé qui dans ciel là qui pral fait un bagaille qui dans cœur lui qui pral nourrir un désir dans cœur lui là nous voulons faire référence à qui est Lucifer. Et la Bible évoquait que Lucifer puisque dans pensée centrale là nous jeune bagaille il t'a pral commettre une action et action ça il définit comment comme péché. Félicitations. Et puisque il péché il fait un mauvais choix. Et il fait qui ça? En tant que mauvais choix, il fait ça n'est la il transgresser loi ciel là. Donc lorsque n'a parlé de loi, nous comprenons que loi ça que y a parlé, loi ça que Lucifer était violé a, il est comment la loi morale. La loi morale. Et loi morale ça puisque l'enfreni, il prend décision pour le faire qui ça pour le faire ça qui mal. Donc la loi, mes chers étudiants de la Bible, bon Dieu baili, c'est il pas baili pendant l'homme péché, mais il te baili comment? Avant le péché te venu dans le monde là. Parce que l'homme li doté de un bagaille. Être qui était dans ciel là, il était doté de même bagaille ça que nous gagnons. Et bien tout monde cap étudier la Bible, yo connaît bagaille ça depuis bon Dieu créé l'homme avec faculté le créer l'homme là, il est comment? Libre arbitre. Ça veut dire liberté pour faire ça qui bien, liberté pour faire ça qui mal. Et liberté morale, ça va être le son, il dit liberté morale.
C'est comme ça la leçon dit. Et liberté morale, ça, eh bien, la loi l'y trouve aussi au cœur de liberté morale, ça. Loi morale, là, l'y trouve au cœur de liberté morale, ça. Et, gon bagay dans leçon, dans leçon semaine, là, que auteur là, il te prend le soin pour souligner pour nous. Un mot. Il ne parle pas de péché. Il dit péché et m'oublier mot de météa. Est-ce que nous songez? Iniquité. Péché et iniquité. Nous songez? Ma fait nous rappel là. Parce que c'est important pour me dire nous qui bon jeune. Je n'ai dans le son dimanche là. Péché et iniquité. Comment on définit péché? Péché c'est la transgression de et iniquité. Parce que pas oublier, c'est réflexion pour aller plus loin. Iniquité, comment définir lui-même? Comment nous elle? Hein? Si péché c'est transgression loi et iniquité, qui s'allie? Dans Psaume 66, verset 18, David et Psalmiste Sangomba, il dit oui. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Iniquité, il définit comme un acte. Que félicitations, nous devons dire un acte interne, on va nourrir ça dans le cœur là. Mais lui-même, il allait au-delà pour qui ça? Parce que la Bible, nous parle qui ça arrive, il dit iniquité, c'est le péché le plus grave. C'est le péché qui est plus grave là, parce que lui-même, il préméditait, il continuait et intensifiait. Lucifer, c'est ça qui est arrivé. Il nourrit dans le cœur, il dégage. Li fait dissiper avec lui et puis qu'on y a le bas. C'est un coup. Frère Cadestin tombé dans l'adultère, li quitte madame, li l'al nan madame moun, ou bien l'al nan l'autre fille. Et puis qu'on y a, Elder Mac Toussaint paraît, li dit, Frère Cadestin mon cher, elle gagne bon courage pour le dire, li. C'est frère, moi, il va vrai. Li dit, Frère Cadestin mon cher, qu'on est chemin, prend le pas bon, parce que sous fait comme ça, ou ap détruit famille. Parce que grand pile famille m'connaît qui détruit, c'est à cause de bagay ça, si moun ou pral. Et gaillé n'importe qui va arriver parce que ça li pas bon. Elle demande tout Saint-Dim ça. Et puis il me dit OK, pas un problème, qu'on est allé ça monsieur gagne, il a bien entrer dans vie privée etc. Et puis me continuer. Pendant me continuer et puis bagarre la balle. Orgueil a fait ça. Mais qu'on y a ça me faire qui continue à comment le péché ou bien iniquité. C'est lui qui iniquité a. Ça dit m'a persisté là-dedans malgré les heures pour me dire ni pas bon avec ça. On continue la donne. Et il peut commettre des conséquences qui graves. C'est ça qui fait Lucifer, je vous dis. Oui. Et tandis que nous dans la leçon, nous n'avons pas avancé, nous avons dit non. Mais frère, nous-mêmes qui sommes étudiants de la Bible, nous sommes intelligents. Lucifer, il y a un problème qui est ensemble avec vous. Moi-même ensemble avec vous, il y a un problème ensemble avec nous. Pour quelle raison? C'est parce que il y a des privilèges que nous jouons. Il n'y a pas de jambes jouées. Et qu'on y a, puisque le pape jambes jouées, gon bête yo dit l'elle pas manger li gâté oui yo dit c'est gâté ça hier et bien c'est gâté et bien c'est ça rôle ça Lucifer a joué c'est rôle gâté ça ça veut dire fait que privilège que le pas de cajou puisque le pas de cajou moi ensemble avec vous dit ça non yo pas cajou tout ça veut dire iniquité a venir dans une situation comme si il vient nous non cancer donc il est important pour me mettre accent sur ça donc c'est vrai l'homme li gon nature de péché donc li retrouve nan incapacité pour que nous ta capable dire pour obéir tout bon à loi bon Dieu. Par contre, bon Dieu lui-même, li vle que univers li capable régir par l'ordre. Et bon Dieu nous d'accord ensemble avec moi dans le son de dit ça, bon Dieu son bon Dieu d'ordre et d'amour. Son bon Dieu d'ordre et d'amour et dès que ou parle de l'ordre ou parle de l'amour, li rime avec la liberté. Ouais, bon Dieu, son bon Dieu, l'ordre, son bon Dieu, l'amour. Et pour parler de l'ordre ou parler de l'amour, liberté à rejoindre la donne. Liberté pour faire ça qui est bon et ça qui est mal. Parce que bon Dieu, pas un dictateur. Dictateur, il dit, fais ça ou pas faire le tout, ou bien le battre, ou bien le mettre en prison. Mais bon Dieu, il dit, d'ailleurs, Deutéronome, dans le cœur de Deutéronome, dans c'est ça que lié, ou choisis bien mes bénédictions, ou choisis mal mes conséquences. C'est ça qu'au cœur de livre de Deutéronome. Et. C'est ça qui fait que, puisque nous parlons de nous sommes dans le ciel, nous tombons sous terre, Satan a un rôle que l'a joué. Rôle que, alors, ruse que l'a mette en place,
C'est pour faire nous comprendre en tant que homme, en tant qu'être créé, son obligation, ça veut dire nous devons pécher. Quand on a dit, frère Kadesin, pour qui ça dit ça, à regarder dans Genèse pour ça le dit Adam, pour ça le dit Ève. Bon Dieu dit qui ça? Pas pécher? Il dit qui ça? Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire mettre le nom condition pour le mettre en doute volonté, bon Dieu. Et pour le péché, il dit péché à pour les son bagage. Ou qu'a fait? Oui, mais sous, regardez, non, sous manger. Mon Dieu, ça, mon Dieu dit, il va s'allier, non? Ça veut dire mettre en condition pour, en tant qu'être créé, pour capable pécher. Ok? Mais Adam et Ève étaient tombés dans le péché, pas vrai? Nous d'accord ensemble avec moi. Mais gon bagay, Jésus va venir en tant que second Adam avec toute nature péché ça en gros français ou le stigmate péché le sous lui et bien avec nature péché si et bien qui ça va faire il va réussir là côté Adam t'est échoué et nous vinn joindre que journée jodia si moi même ensemble avec vous nous gain accès au salut c'est par rapport à qui ça c'est pas la grâce de Dieu en Jésus. Là, nous, jeunes qui m'ont dit, c'est par la grâce de Dieu en Jésus. Est-ce que nous comprenons la logique là? En sorte que la grâce de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas aboli principe loi, n'est pas aboli la loi. Non. Ou pas capable de parler de grâce si pas gagné loi. Et la grâce, d'après schéma que nous présentons, ce n'est pas un bagage qu'on mérite, mais c'est un don de Dieu. Est-ce que vous comprenez la logique là? Il dit, je ne peux pas mériter ça. Adam a été péché, il a été condamné pour mourir, mais Jésus vient faire jonction, et ça veut dire, c'est me sauver, c'est par grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et grâce à ça, c'est pas un bagage que mérite, mais c'est qui ça? C'est tout simplement, bon Dieu, bon créole là, bon Dieu fait une faveur parce que je ne pas mériter. Parce que, frères et sœurs bien-aimés, il est important pour nous connaître que sans la loi, grâce pas tape bien valeur. Est-ce que vous comprenez? Sans la loi, grâce pas tape bien valeur. Moi-même, en Haïti, j'étais dans le domaine de justice également parce que j'étais avocat. Ou connaît que leur aller dans tribunal leur commettent infraction koulia leur fin commettent infraction juge là après l'elle pral délibérer gon bagaille que le capable faire il ca choisi fort qui ça il ca choisi voyons en prison mais il ca choisi dit bon selon degré infraction monsieur pas mérité prison non n'a libéré mais allez pas faire ça encore mais en fonction de qui ça le décider de principe que le gain ça les codes civils, codes pénal etc. c'est en fonction de ça qui établit des principes et principes ça c'est en fonction de lui il dit bon OK telle infraction m'a trouvé le tellement grave en mal chance là mais gon bagage qui te dit on pas doit faire ça vous comprenez en sorte que n'a conclu sous partie ça pour nous dire journée jodi à l'homme pas gain crasse problème avec question loi non yo gon problème avec qui ça quatrième commandement. Parce que ou d'accord ensemble avec moi si en tant que jeune garçon me dit bon OK m'a fait macho m'bral nan fi moun moi madame nèg la m'bral la dame ça va passer ça nèg la dit monsieur voler madame moi monsieur commet un péché malé nan travail moi manyen sak pa pour moi ça dit monsieur son volé ou comprend moun nan gen affaire là et puis malé c'est moi qui dois gagner qui ça va passer me convoiter li m'a jouer maman. Est-ce que on moun la d'accord moun jouer maman ou ou gen madition nous d'accord mais là que yo entre ou prend 1 2 3 quand arrive sur 4e nan et puis yo dit ça on saute il clic et non seulement yo pas saute non yo modifier pour mettre pa yo en fonction de l'homme parce que l'homme toujours a jouer en coquin l'homme toujours a jouer en coquin comme si pour yo montrer une situation que c'est yo comprendre qui est capable de modifier. En sorte que mes frères et mes sœurs, pas écouter personne qui a dit que la loi abolit. Ça, c'est un jouet de coquin. Règle jouet de salut, pas de coquin. C'est soit ça ou bien ou pas ça. En sorte que nous d'accord avec moi, nous avons une interrelation
entre grâce et loi. Et il va confirmer gon bagaille pour nous connaître dans même leçon dans leçon semaine là livre des Ténèbres on dans le démontrer non bagaille. Il dit nous que bon Dieu prend soin pour retracer histoire peuple Israël là pour jeune génération. Et livre ça, il te rappeler à peuple là comment bon Dieu t'a sauvé. Et il te montrer que pas oublier non, c'est dans esclavage nous t'es pendant environ 400 ans. Et qu'il y a l'entrée dans esclavage pendant c'est sous même question loi toujours l'entrée dans esclavage pendant 400 ans yon esclave li pa te mettre tête li est-ce qu'un esclave te ka observer et sabbat côté le dia non ça veut dire malgré ou te en esclavage ou te non c'est de bagarre mais est-ce que bon Dieu pa te faire grâce bon Dieu fait grâce à un point tel gagne un mot moi pral citer là c'est mot ça qui pral permettre que peuple Israël a te entrer dans Canaan terrestre mot ça relé promesse. Bon Dieu, son bon Dieu, elle fait promesse, lui respecter promesse. Li. Les bon Dieu font promesse, lui respecter promesse. Son bon Dieu extraordinaire. De pour elle dit, là vous pas fini mal, regardez, moun met sauter pompé. Là vous pas fini mal. Lui fait peuple Israël la promesse ça, et jeune génération entre dans Canaan terrestre. Mais elle t'a toujours fait qui ça? On rappelle. En sorte que, gonti leçon pour nous tirer en termes d'application, pas jamais oublier côté au sauti. Ou quand on entend samedi pas jamais oublier quand on sorti pour qui raison c'est parce que chaque fois que on prend une action songez mes côtés me sorti mes côtés bon Dieu prend si tourner comme ça on commence à aller sans honte c'est dit tout le monde qui est tombé dans bagaille ouais bon Dieu fort grâce ou retourner là-dedans encore bon moi même honnêtement on pas considérer monde ça comme monde parce que gain de côté tombé bon Dieu retire ou pas de tourner là-dedans encore donc bon Dieu était toujours à faire rappel ça avec peuple Israël là, l'enseignement se fait dans la répétition. En sorte que c'est pas parce que peuple Israël a été bien observé la loi qui fait bon Dieu te ba au Canaan terrestre, mais c'est parce que bon Dieu te voulait respecter promesse li. Journée jodi a également. Bon Dieu nous même qui là, c'est pas parce que n'a bien observé la loi qui fait bon Dieu a permettre nous entrer dans Canaan céleste, mais c'est parce que bon Dieu li gon promesse que le fait. Promesse pour venir chercher nous. Et ça fait gonti bay m'te mette, il dit que la grâce c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est l'accompagnement de Dieu parce qu'il veut demeurer avec nous. Grâce à cet accomplissement promesse mon Dieu, mais c'est également un moyen pour mon Dieu accompagner nous parce qu'il veut demeurer ensemble avec nous parce que si c'est pas de grâce mon Dieu fait moi-même ensemble avec vous, nous pas tap là pour bagay que nous fait qu'il l'aide. Mais bon Dieu acceptez nous et accepter fait nous grâce. En sorte que frères et sœurs bien-aimés, la loi il y a pour vocation pour capable permettre nous vivre en harmonie avec volonté bon Dieu et pour capable garantir nous également le bonheur ici-bas. Pour capable ba nous poser question, Gontiba il m'était souligné dans leçon jeudi à ou quoi c'est dans ouais, dans leçon mercredi pardon. Dans leçon mercredi a gon bagaille il dit par rapport au quatrième commandement. Il dit, observez le sabbat non pas seulement comme un mémorial de la création, mais comme un mémorial de la rédemption après l'Égypte. Le sabbat du septième jour devient non seulement un symbole puissant de la création, mais un symbole puissant de la rédemption et de la grâce. Mais ça, mais le quatrième commandement, il joue. Mes frères, mes sœurs, je n'ai pas l'impression que je me souligne tout le non? Mais quand même, je pensais que nous-mêmes réflexionnons à aller plus loin. Qui ça nous dépense de leçons semaine non? Qui ça nous tire? Moi, c'est ça nous tire. Ou bien, nous pas d'accord ensemble avec moi. Mais on fait débat. Je ne vais Frère Blaise. Ok, merci, Frère Cadestin. Nous prenons note et empilons écoute. Non, ça peut être dit. Pendant où faire présentation de leçon question alors aujourd'hui je voulais poser des questions est-ce que moi pendant que moi observateur de la loi en tant que adventiste du septième jour n'a fait fort avec est-ce que m'ka fait un choix de moi même pendant là-dedans j'en sorti que et où est dans madame J depuis et puis au quitter madame pour aller est-ce que pendant ce temps m'ka fait un chrétien comme ça et puis je choisis pour vivre comme ça et comment explication cabaye ça parce que en pile fois nous gain problème avec
on sait bien qui Dieu a observé la parole de Dieu et puis qui choisit de vivre, je vous ai expliqué la taléa en tant que grâce à toute loi. Non. Regardez. Bon monde dit ça. Bon Dieu dit qui ça? Dans Exode. Il dit, Exode 20, tu ne commettras point d'adultère. Action ou se dit à la que moi-même moi posé à comment le adultère. Principe qui dit pas commettre adultère, qui est-ce qui baille? Bon Dieu. Et pour qui salte baille? Li baille pour bien être moi-même. L'aime poser action ça, qui ça me fait? M'pa vle bien être tête moi. Et puisque m'pa vle bien être tête moi, comme équilibre, m'choisis le mal. Et li dit m'aime choisir mal, mais qui ça ka prive? Ça veut dire m'capable là. M'a dit alléluia. M'a dit m'a prendre dîme à offrande. M'a levé mais m'a fait belle louange. Si vim pas en harmonie avec volonté bon Dieu, c'est temps m'a perdu. M'a relé ça ou son candidat pour qui ça? Pour la mort éternelle, pour l'enfer éternel. Vous comprenez? Ça veut dire c'est pas c'est ça que Jésus bien comprend ça, il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté. Volonté, papa, bon Dieu, le trouver dans ensemble de principes pour supposer respecter. C'est réponse à mon capable. Oui. Nous étions environ 3 minutes. Est-ce que vous avez l'autre question? Est-ce que vous avez une question? Pas une question. M'espérer, je n'ai pas une prétention que nous avons dit tout de même, mais m'espère quand même que. Oui, frère Pam. On va parler de loi. Oui. D'abord, poser une question parce que nous disons pas gain abolition. Non, oui, bon. Et Jésus-Christ n'est pas venu nous dire pour abolir la loi. OK. Oui. Mais quand même, on croit que nous avons reposé de loi sur parce que des sacrifices étaient qu'on fait longtemps. C'est comme ça tuer des animaux sans sens, comme ça pour y aller faire sacrifice, pour pêcher au staff là. Mais je pense que c'est parce que c'est sous ça reposé qui fait dire. Et c'est sous la grâce qui a servi. Est-ce que vous avez plus d'explications sur ça? Je ne sais pas que c'est sous ça que vous reposez parce que. Nous, à travers Matthieu, Matthieu, Marc, Luc, et trois évangiles, ça, nous jouons que nous présentons un événement qui est arrivé suite avec la crucifixion de Jésus. Jésus vini, il passe 3 années et demie de ministère à prêcher l'évangile, il est arrivé dans une situation qui s'est levée, il mourit sous quoi? Et pendant, il prend le mourir, gon événement en parallèle qui produit au sein de communauté juive là ça qui est arrivé voile temple déchiré et depuis là ça gon parole il t'a pas dit oui il dit tout est accompli ça veut dire koulia pas besoin yo histoire expliquer nous tout pendant événement t'a produit a gon on bête t'a pas sacrifier et puis bête là fait qui ça bête là sauvé. C'est pour montrer, je dis, ce n'est pas sacrifice ou pral fait capable ba ou le salut, mais salut à jeune qui ça, ou jeune ni en Jésus-Christ. Mais, et là, je vais approfondir pour me dire, ou pas sauvé parce que ou a observé la loi, non? Ou observé la loi parce qu'on déjà sauvé. Nous avons dit, elle l'a tout saint également, font approche de ça dans la leçon que tu es passé. C'est pour montrer que approche. Que mon fait journée jeudi a li pa kembe li pa kembe parce que journée jeudi d'accord ensemble avec moi que on ganyo le on va faire sacrifice ça utiliser pour mourir etc ça c'est ça que yo utiliser bah oui c'est lui utiliser journée jeudi a si m'ta aller dans l'église moi y a tout yon bête ça m'a dit est-ce que on dit ça valable ou bien pas valable. Il n'est pas valable parce que ça n'est pas capable de me saluer. Donc, logique, ça n'est pas qu'un argument, ça n'est pas qu'un bé. Nous avons dit à l'heure, pour pas dire, l'homme toujours a besoin de jouer de coquin pour contourner. L'homme naturellement. Regardez, on prend un exemple qui est simple. On prend les États-Unis.
Nous tout qui la grand pile nous vini si grand monde. Nous sont dans pays nous en pile désordre comment monde vive. L'en vini ici, qui ça ne fait? Ou conforme ou qui soit conforme? Parce qu'au peuple principe là. Mais qui on parle mon exemple qui simple, moi même je me t'a la France on l'a et puis pendant ma France nous arrivé à porte et puis moun yo tout monde mettait on en ligne pour yo fin checker aller. Avion atterri Haïti pim. Airport là, moi-même toujours resté dans même milan. Gros équipe, on garde. Yo prend jouer, y a bat pour passer devant, y a bat pour faire ceci. Pour qui ça? Parce que on dit ah là, l'homme dit oh. Bon, on te voit dans airport, la France mais quoi monter conforme. Il va y prendre si pour abîmer non. Parce que l'Haïti. Quoi est-ce qu'on comprend la logique là? Il dit l'homme toujours abjoint jouer être coquin pour y prendre ou libre pour y capable faire ça ouvrir. Pour mettre sauter pompé, ça pour faire la fête quand même. Parce que Jésus vient pour le retourner. Oui. Est-ce qu'on a l'autre intervention? Si pas gagné, hein? Mes frères, mes sœurs, je pense que question loi et grâce, je ne vous dis pas, c'est pas un fardeau pour personne. Parce que tout le monde compte tout ça pour vous faire. Ouais, je parle en bon créole. Je dis à tout le monde compte tout ça pour vous faire pour vous sauver. Mais je joue être coquin pour vous détourner. Moi-même, avant qui c'est chrétien, pas le battre à moun pour sous question loi et grâce. Non. Que comportement nous? Capable prêcher principe yo et que à travers comportement nous yo va ouais effectivement nous c'est des hommes et des femmes de principe et comme ça le Saint-Esprit va aidant va aider nous à poursuivre pour ça et comme ça moi ensemble avec vous nous va prêt pour accueillir Jésus le va retourner que le Seigneur vous bénisse. Chers laïcs de Mont des Oliviers Maranatha, à nous camper pour nous capables de chanter, chanter nous. On avance vite, mon Dieu, la fin. On avance vite, mon Dieu, la fin arriver. Il est pour nous capables de parler. Mes chers frères et sœurs, dans la minute de motivation missionnaire là, nous t'arrêtons mais mettez accent sur un mot que nous habitués dit tous les jours une fois là dans nous, qui c'est mot l'amour. Ce qui mot dit d'amener nous mettez accent, ce qui mot l'amour. Et c'est ça que fait m'a considéré avec nous dans Matthieu chapitre 22. Verset 37 à 39, qui gon texte que le véhiculé, yon message que le véhiculé, et que moi, ensemble avec vous, m'damen, nous tirer le son de lui. Qui ça le dit? Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et verset 39, il dit, et voici le second. Qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'était notre prière. Seigneur, nous en présence. Aidez-nous à tirer le son nécessaire en tant que missionnaire à travers parole que vous allez transmettre là. Et qu'on soit pour nous capables de comprendre vrai sens mission. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, frères et sœurs, dans même ordre d'idée qui se développe dans le son école du sabbat,
nous déjoignons que les 10 commandements, c'est la base, c'est la volonté de Dieu. Et à travers 10 commandements, nous joignons que Papa mon Dieu était présenté nous, par le biais de Moïse sous combien de tables de pierre? 2 tables de pierre. Première a été gagné 4, deuxième a été gagné 6. Nous tous d'accord que 4 premiers ont établi une relation verticale entre qui est-ce? Entre Dieu et l'homme. Et 6 l'autre ont établi une relation horizontale entre moi-même avec le prochain. Et 2 éléments ça à la base, c'est l'amour. Parce que nous toujours dit que loi que bon Dieu baillo c'est pour bien-être l'homme, pour l'homme capable de vivre bien. Mais je dis à une observation que nous faisons, nous jeunes que nous vivons dans le monde, côté que moi-même ensemble avec vous, nous toujours à détourner. Et c'est ça qui cause malheur, c'est ça qui cause, je dis à le monde à souffrir. C'est à cause de irrespect principe. Moi-même ensemble avec vous, en tant que être qui est candidat pour la cité céleste, nous avons une grande bagaille que nous croyons. Nous croyons que nous avons un monde. Côté que souffrance, nous espérons, pardon, nous espérons dans le monde, côté que souffrance, calamité, gain pour lui capable de faire qui ça? Capable? Fini. Et l'un de ceux qui deuxième partie du texte, là, dans verset 39, là, il dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, papa, bon Dieu, pour moi, permettre que je ne dis pas capable d'observer les principes. Mais dehors, il y a un pile monde qui vit sans principe. Et puisque mon Dieu dit de remer prochain même j'ai avec tête pas moi, qui ça me doit faire journée jodi a? C'est al dit l'autre que même là nous monde là fonctionner sans ensemble de principes, mais gon bon Dieu qui prévoit pour faire qui ça? Pour mettre l'ordre dans des ordres. Pour permettre que l'homme capable vivre à l'aise. Mission pam journée jodi a, c'est qui ça lié? C'est faire qui ça? C'est qui mission pam? C'est aller. En suivant moi. Non, mais tout le monde ensemble avec moi. Suivez-moi. Mission pam, c'est aller. Parce que dans Matthieu chapitre 28, qui ça le dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Moi-même qui suis disciple Christ, qui compte et principe, comment on doit aller pour aller dire l'autre, mais qui ça nous doit faire pour nous capables vivre selon le principe ça. Je dis à frères et sœurs bien-aimés, c'est important pour me dire nous que le monde n'a pas vivre là-dedans. Non. N'avec moi, monde ça que n'a vivre la donne. Li pa gen pas l'argent. Le monde gon pas l'amour. Qui ça me dit monde la gagne? Le monde gon pas l'amour. C'est parce que l'amour virus l'amour n'a pas affecté monde là qui fait que nous tomber dans tout ça nous tomber. Mais nous-mêmes en tant que candidat pour la cité céleste qui gen virus l'amour en nous, c'est pigo tonne capable faire tête nous. Là que nous passons côté nous pas si maé virus l'amour ça. Virus l'amour c'est aldi à l'autre bon bon Dieu qu'on sauver. Virus l'amour c'est aldi à l'autre même les n'a vivre dans monde désordre, un monde immoral mais bon bon Dieu qui a prôné l'immoralité. Virus l'amour c'est aldi à l'autre même le monde là apparemment paraît désespéré mais gain espoir. C'est ça virus l'amour. Vecœur nous que bon Dieu capable aider en tant que missionnaire pour que quel que soit côté de passé virus la moussa nous capable dégager pour que des âmes capable gagner et virus la moussa dégager le d'abord à Jérusalem la caille nous dégager le dans voisinage nous dégager le dans travail nous dégager le dans machine partout côté de passé et l'autre yo cap garder comportement nous yo capable attirer par comportement nous pour yo venir à Christ. L'autre yon kap gade aussi, parce que jounen jodi ali important pour me dire nous que yon comportement bien affiché vaut que 1000 études bibliques. Yon comportement bien affiché vaut mieux que 1000 études bibliques. Moun yon kon parole là. Mais yon gen besoin pour nous capable de dégager de bon comportement pour yon capable venir à Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On mette debout. On demande bon Dieu peut-être que si nan comportement mwen tap fait des bagay qui pas trop bien, que le capable de m. Pour capable afficher de bons comportements et qu'on ça l'autre capable attirer à lui. Baissez tête nous ferme les yeux. Merci Seigneur parce que vous révélez dans ce matin que monde là puis go pan li gain c'est pas l'amour. Aidez-nous pour que virus l'amour ça que ou te vinn ou qui t'a déversé à travers Jésus-Christ que virus ça capable imprégner davantage pour que nous capable de vrais chrétiens et non de fake chrétiens.
partout côté ne va passer, yo va wè an nou image ou. Et comme ça l'autre yo capable attiré par ou même yo capable prendre position pour servir ou et dernier âme capable gagner pour vous. Nous comptons sur vous bénir la journée de sabbat, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Merci, rassurez-vous. Chers amis, bonjour. Mademoiselle Olivier, bonjour. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons partager avec vous annonce que nous gagnons pour l'église là et pour semaine, pour jeudi et prêtez attention à chaque annonce que nous va gagner pour nous capables faire connaître matin. N'a pas démarré avec une annonce qui triste pour l'église là. N'a pas annoncé à l'église là que Sœur Nouyo, Rosemith, Henriette, Louise, Nepsia, yo perdu papa yo dans semaine. N'a demandé nous pour nous capable sympathiser ensemble avec yo. Là nous wè yo, relé au téléphone, prier pour yo et réconforter yo puisque la Bible a dit les crier ak moun k'ap crier et réjoui à moun k'ap réjoui. Samedi prochain cap 20 c'est là ça y a fait funérailles papa madame Sayo qui mouri nous chaque qui là nous capable faire plan pour nous connaître comment nous capable supporter yo dans moment difficile ça que yo trouvé yo faut dire nous que enterrement a fait et funérailles a fait dans l'église nazaréen qui dans main suite là qui c'est ancien la caille mont des oliviers tout monde dans mont des oliviers parce que connaît que l'église m'a parlé dans main suite de nazaréen c'est là que il a fait funérailles papa sœur Henriette sœur Nepsia sœur Louise et sœur Rosemith qui c'est membre l'église mont des oliviers me souhaiter que nous faire plan pour nous capable reler eux visiter eux prier à eux et surtout faire plan pour nous supporter yo dans dernier hommage que pral ba avec papa yo qui quitte nous pendant semaine. Tout monde qui fait partie commission fundraising l'église là eh bien et responsable là a demandé pour nous capable boire avec lui qui c'est frère Olnik Florestal. Alors même monde qui dans commission ça frère Salnav David Gilles frère Dunio Miri, frère Telo Altieri, sœur Florence Turenne et frère Patrick Cadestin. Moun sa yo, frère Onik a vle wè nou immédiatement après service la nou ti tête à tête pour nous capable gagner en communication sous affaire l'église là. Le 26 décembre prochain, gagner une semaine de prière de fin d'année cap commencer dans l'église là. Et semaine ça a prend fin le 1er janvier qui a un sabbat et avec un gros cérémonie de Sainte-Cène. Nous dit ça bonheur pour vous même ou capable mettre dans calendrier ou que ou a gagné semaine de prière ça qui a fait dans l'église là, la online, j'en nous habitué faire mais là dans l'église là ou même ou a ka venir pour venir dans l'église là pour nous capable ensemble vin remercier bon Dieu pour année et surtout reconsacrer la vie nous pendant n'a fait traverser a pour une nouvelle année 2022 du 26 au 1er 26 décembre au 1er janvier c'est le ça que semaine de prière fin d'année a fait et a gagné une cérémonie de Sainte-Cène pour clôturer dans sabbat 1er janvier cap vini là. N'a demandé nous pour nous prier pour moun qui malade l'église là nous connaît prier pour ti moun yo et surtout ti moun qui dans comme qui dans collège yo pas jamais oublier lever dans la prière et prier tout pour administration l'église là et pour famille pasteur surtout avec sœur Claudette Mass et maman Li qui au même toujours pas joui santé n'a demandé nous toujours mettez yo dans prière nous. Tout maman yo konnen ou gen rendez-vous
à cri de Rama pour capable prier pour petit yo. 5h 5h30 en premier et série prière et puis ou même qui pas de gêter monter à 5h ou ca monter à 5h30 pour 6h dans matin et pour capable prier pour ti moun yo. Ou pas besoin password pour rentrer, seulement ou fait 857 777 7401 et ou ap rentrer nan cri de Rama pour prier pour ti moun yo. Dans l'église là, chaque mardi, nous gagnons demi-journée de jeûne et de prière de 9h à midi. Nous mandons pour capable faire plan pour toujours monter sur ligne de prière là pour participer dans moment de prière ça. Classe enfantine, yo gagne réunion avec ti moun yo chaque vendredi 6h pour 7h nan aswè pour yo capable faire école du sabbat ensemble avec yo. Ou juste besoin monter sur Zoom nan. Et Zoom n'a pas changé. ID a c'est 717 853 69 67. 717 853 69 67. Sauf que qu'on y a, yo met ton password pour capable rentrer dans Zoom nan. Password là c'est A 0 Y SRG. Bon c'est si tu as fait l'autre Jean. Moi c'est le tap plus beau parce que c'est très difficile pour moi dans monde pour qu'embel lettre avec numéro ensemble et comme password et même moi m'appeler l'inum. Moi c'est son temporaire ça t'a doyé pour ti mounyo pour faciliter parents. On a demandé avec directrice là pour le fond Jean, il est capable mettre password là plus bien pour. En tout cas c'est A en minuscule et 0 et puis Y en majuscule, S là T S T R T G. Bon, je vais vous montrer comment changer, moi-même, je vais garantir que je vais changer. Ministère de la prière avec Diakona, ils ont toujours mis ensemble pour prier pour membres de l'église avec la famille de l'église. Et ça fait que dans la semaine, nous là, il y a prié pour la famille Frère Blaise Baptiste, il y a prié pour la famille Frère Ernest Légerme, il y a prié pour la famille Frère Sauveur Charlot et famille. Et sœur Solange, Paulas et famille. Ok, frère Sauveur Charlot et famille, sœur Solange, Paulas et famille, ça veut dire maman Castel avec maman Natacha, et c'est pour lui, il a prié pour ce menza. Mais famille, c'est famille frère Blaise, famille frère Ernest Légem, famille frère Sauveur Charlot, et famille sœur Solange, Paulas, il a prié pour eux. Groupe 2, c'est groupe qui des services dans le corps diakona pour ce menza. Soti 21 novembre, d'ailleurs nous entendons annoncer ça bien. Soti 21 novembre pour arriver 27 novembre, ça veut dire dimanche 21 pour arriver sabbat 27, a gagné une semaine de prière avec Kodiakona qui a patronné semaine de prière là. M'a dit semaine de prière pour diakona, moi dit une semaine de prière patronnée par Kodiakona. Ça veut dire semaine de prière qui pour toute l'église là. Si gen un moment nous besoin prier, c'est qu'on y a. C'est ça qui fait que l'église a toujours metté activité de prière yo, c'est nous qui pou participer là-dedans. Et ben diakona a gen une belle semaine sur la sanctification, sorti 21 dimanche pour arriver 27 qui c'est samedi. C'est toujours même le normal là, 7h30 pour 9h sous ligne de prière l'église là. Seule exception, excuse-moi. Seule exception qui gagne, c'est que nous connaissons jeudi, qui n'a mis tant ce maintenant, je ne sais pas si j'ai date là exactement, mais jeudi, nous connaissons Thanksgiving. Et bien, Diakon a dit, la off dans jeudi, pour qui ça, parce que nous connaissons tout le monde a besoin avec la famille. Jeudi, pas gagné, mais nous avons gagné prière 7h30, 9h, chaque jour, sorti 21 pour arriver 27, sabbat 27 dans le matin, nous avons fini avec. Et semaine de prière ça que Kodiakona patronné que l'église là doit participer la dedans. C'est tout annonce que m'te gagne devant là, m'espérer que ou t'étendez bon bon dernier annonce ça qui peut-être pas dans même folder bon annonce ça. Frère Blaise Baptiste, frère Mesmin Dorcelli, Louis Poto, Paul Dacon, Valès Pierre, Lionel Walkin, Folly, Fédri, Jolicoeur, Bernard, Tello, Holdens, Woody, Antoine Laguerre, groupe Mounsa Omcité là, Frère Bernard, Jean-Aniel, Taramé Wenou, après l'église là. Ma pour prendre liste là pour nous.
Frère Blaise, Frère Mesmin, Frère Poto, Frère Paul, Frère Lionel, Frère Walkin, Frère Folly, Frère Fédry, Frère Joli Cœur, Frère Bernard, lui-même, Frère Tello, Frère Oldens, Frère Woody et Frère Antoine Laguerre, Frère Bernard Janiel, Tarmé, Wenou, après l'église là. Ma fini pour me dire nous, ça va fermer après-midi à 4h34 et sabbat prochain c'est 4h32, vendredi prochain c'est 4h32 la l'ouvre. Après-midi à 4h34 ça va fermer et vendredi prochain 4h32 ça va à l'ouvre. Merci tout le monde, passez bon sabbat. Chers frères, chers amis, bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur du fait que dans grâce li, dans amour li, dans miséricorde li, dans bonté li, li permet à ce que nous traversions une agréable semaine en bien. Et matin, présence nous dit que bon Dieu était bon pour nous, n'est-ce pas vrai? En minute ça c'est minute qui est réservée à construction. Nous connaît que nous besoin moyen pour être capable prendre soin de temple et nous gagnons de gros mortgage qui là capitaine nous et nous gagnons nous connaît que nous en winter nous dit bon Dieu merci il fait nous grâce jusqu'à présent nous en novembre winter a pas aussi féroce que ça donc nous dit merci pour cela. Ça permet d'être capable de save quelque chose. Mais on connaît qu'avant longtemps, on a pris le gain pour que nous entrions dans Go Winter et nous pouvons utiliser un paquet d'huile. Bill nous a monté en pile et venir ensemble avec tout notre besoin, l'église là et les réparations qu'on a fait. Ainsi donc, ou même qui c'est bon supporter l'église là, ou même qui habitué à aider nous et qui mettait l'église dans le budget, nous avons invité pour que nous capables de continuer à répondre à aider nous à besoin de l'église là. Alors que nous prenons pour nous passer dans les rangs pour que nous capables de recueillir ça que nous avons porté ou même qui sur les réseaux sociaux qui attendent nous. Nous connaissons tous les moyens que nous capables d'aider l'église là. C'est aller dans Adventist Giving et puis aider nous, faire nos donations de telle sorte que nous capables de continuer à prêcher l'évangile là pour que Jésus capable de retourner et venir chercher nos terres de misère et de calamité. Ainsi donc, on a chanté pour qu'on soit capable de ramasser et collecter dîmes à offrir. Même qu'il a caillou, râler cato, râler canet banco, aller sur les réseaux sociaux et puis aider nous pour que F Bondi soit capable d'avancer de l'avant. Merci en pile, que Bondi soit béni nous abondamment. La demande à faiblesse pour qu'on soit capable d'aider nous en ce sens. Bâtissons le temple du Seigneur. Venez, frères, venez nous aider. Sœurs, venez nous aider. Bâtissons le temple du Seigneur. Que pourrons le temple, découvrons le temple, découvrons le temple. Décorons le temple, décorons le temple.
pourrons le temple si Seigneur embellit le temps, embellit le temple, embellit le temple, embellit le temple si Seigneur. Nous nous inclinons pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, que nous sommes capables de bénir d'éternité en éternité. Merci pour la possibilité que nous sommes capables de travailler autour de cours de cette semaine. Et maintenant, nous venons dans le temple pour nous adorer en esprit en vérité. Et nous porter offrande dans le temple pour que vous soyez capables d'achever ici-bas. Nous demandons que vous soyez capables de permettre à ce que l'offrande soit capable de bien utiliser et que le temple soit capable de réparer. Et que le temple est capable d'embellir et des gens capables de fréquenter, capables de venir, capables de parler de vous-même, capables de prendre position, puis capables de servir. Et lorsque Jésus est venu, vous tout est capable de prier avec nous pour nous jouer avec les bâtiments sans fin. Bénis, sauvez, nous prions dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. On a rappelé à membre de la commission Fondrésina, on a obtenu immédiatement que l'église a fini dans le lieu côté qu'on a habitué à réunir sous table. Immédiatement que l'examen finit, nous avons tête à tête, nous pas resté, mais nous avons tête à tête immédiatement. Et tout le monde qui comprend quelconque café dans le service de matin, nous avons été capable de jeter dans la sacristie. Merci, bon sabbat, bonne adoration. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons à le prédisposer de voir nous ensemble pour nous faire exercer des chants jusqu'avant la montée en chair. Et job non, c'est chanter tout autant, et même beaucoup prêt pour demander, nous même n'a chanté. Et parce que nous toujours dit, peut-être c'est maintenant au capat, même murmurer, c'est pas un péché, mais si moment ça ou jeune occasion ça ou venir adorer, c'est faire voir ensemble pour bah, bon Dieu gloire en chantant. Et ça fait, nous avons commencé et chanter au numéro 92 comme un phare et sur la plage. Numéro 92. Lumière.
puissant, c'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La vie de nous, le fidèle, la vie d'embrasser, le modèle, la vie de Dieu sans place. C'est le vrai repos, la vie de sans place. C'est le vrai repos, vrai repos, vrai repos. Au courez-vous, le numéro D 48. Oh,
assez gens y auprès, nous allons mettre le pot ensemble. Nous avons tourné à l'ordinaire, au niveau 163. Silence, silence. Appel à l'adoration. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Où sont des cris de joie vers le rocher de notre salut? Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Amen. Affirmation de notre foi. N'a pas invité nous pour nous capables de lire ou bien réciter les 10 commandements ensemble avec nous. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain,
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Nous bénissons ton Saint grand nom et nous te remercions pour ta grâce envers nous, pour notre présence après avoir passé une semaine de dur labeur dans ton Saint-Temple pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous t'en supplions de prendre la possession de notre être tout entier et que tu daignes nous accorder la puissance de ton Saint-Esprit et que ta présence se fait sentir au milieu de nous et que tu acceptes notre adoration en retour. Tu daigneras bénir ton peuple et nous préparer pour ton retour. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Exodus chapter 34, verses 6 and 7 says, "And the Lord passed before him and proclaimed, 'The Lord, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgressions and sin.'" Amen. Brothers, sisters, and good friends, I welcome you all to Mont des Oliviers in the mighty and precious name of Jesus Christ. The Sabbath is a day of celebration, a day where we worship God in spirit and in truth. Our God, the living God, is merciful, gracious, patient, forgiving, good, and honest. This week, we worked, went to school, ran errands, spent time with our loved ones, drove, took the bus and the train, and God kept us through it all. Yes, some of us may be suffering mentally, physically, and or spiritually, but God has abundantly blessed us all with the gift of life. So long as we have breath in our bodies, we have hope for better days to come. The Lord gave us the seventh day to rest in him. And when Jesus walked the earth, he performed seven Sabbath day miracles. With seven being the number of perfection, this shows that we are to offer God perfect praise on this holy day of celebration. So in a spirit of praise and fraternity, I welcome you all to sing, "This is the day that the Lord has made." This is the day, this is the day that the Lord has made.
welcome you all to sing number 157, numéro 157, with Frère Blaise and the praise team. La lecture du jour se trouve dans Ésaïe 6, versets 1 à 9. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes.
deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, et deux il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison remplie de fumée. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. » Parole du Seigneur. We are going to read the same scripture in English. Can you hear me? Isaiah 6, verses 1 through 9. In the year King Uzziah died, I saw the Lord. He was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Hovering around him were mighty seraphim, each with six wings. With two wings, they covered their faces. With two, they covered their feet. And with the remaining two, they flew. In a great chorus, they sang, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is filled with his glory. The glorious singing shook the temple to its foundations. And the entire sanctuary was filled with smoke. Then I said, my destruction is sealed, for I am a sinful man and a member of a sinful race. Yet I have seen the King, the Lord Almighty. Then one of the seraphim flew over to the altar, and he picked up a burning coal with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, see, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Then I heard the Lord asking, whom should I send as a messenger to my people? Who will go for us? And I said, Lord, I'll go, send me. And he said, yes, go, but tell my people this, you will hear my words, but you will not understand. You will see what I do, but you will not perceive its meaning. Amen. Agitez les lignes.
tu entends toutes mes plaintes et tu peux me consoler. Fais ton lit d'habit sur mon âme tout entière. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous voulons en ce sabbat matin rendre gloire, honneur, louange, action de grâce à vous-même et à vous-même seul pour ça où y est. Pour soit représenté dans la vie nous, pour soit continuer fait pour nous. Tu es notre Dieu créateur, pourvoyeur et rédempteur. Avant pas de gagner, pas gagner tant cours et après pas de gagner l'autre. Tant de Père bien-aimé, nous voulons prendre temps pour nous saluer grandeur parce que si jusqu'à cette présente minute nous vivons, c'est pas parce que nous faisons rien pour ça. Mais c'est grâce tout simplement fait nous à travers Jésus-Christ que nous bénissons pour ça. Merci pour la respiration. Merci pour le mouvement et l'être. Merci pour le salut éternel que vous nous en partage. Tandis que nous venons en présence, nous voulons dire merci pour cette semaine côté prospérité. Nous t'avons une activité séculière, nous t'avons exposé à toutes sortes de dangers. Qu'en nous si c'est pas tout te prend nous par là mais peut-être non t'a conjugué au passé nous dit que nous béni pour ça. Merci parce qu'on permet que nous capable retrouver nous dans ton saint temple à travers les réseaux sociaux pour que nous capable adorer ou en esprit et en vérité. Mais nous reconnaître que en dépit du fait que on prend soin jaloux de nous pas suspendre faire ça qui mal par devant Dieu. Nous péchons dans comportement nous péchons dans la parole que nous répétons. Nous péchons dans l'action que nous produisons. Et si nous regardons sur les choses qui sont sales, les choses qui sont laides que nous faisons par devant, nous n'avons pas de nous que supposé genufler par devant en ce moment. Et c'est pour raison que nous comprenons pour qui raison. Psalmiste l'a déclaré dans Psaume 130, verset 3 et 4. Si tu gardais le souvenir de nos iniquités, Seigneur éternel, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. En ce moment, tant de Père bien-aimé, tandis que nous retrouvons dans la présence, nous avons six sujets de prière que nous voulons présenter par devant. Premier sujet de prière que nous avons présenté, c'est pour ton Église en ces temps de la fin. Nous reconnaissons que le monde a fait face à des difficultés énormes. Coronavirus, la guerre partout. Mais Papa chéri, tandis qu'on place l'Église dans le monde, pour la prédication de ton évangile. Puis gros cadeau que nous avons demandé, ça côté promettre nous, à travers préparation pour la crise finale, lui déclarer, ou promettre nous une pluie tant espérée, la pluie de l'arrière-saison. Nous demandons en ce moment que cette pluie tant espérée, ou capable d'accorder à ton peuple, depuis la conférence générale jusqu'à Pipiti École du Sabbat, que chaque membre d'église, capable de faire expérience de cette pluie afin que parole ou capable de prêcher et dernière âme capable de venir à la conversion.
nous comptons sur vous. Où va bénir l'église ou bénir les dirigeants de l'œuvre. Continuez à inspirer pour qu'ils soient capables de faire face à toute qualité de défi qui a présenté devant eux en ces temps de la fin. Au deuxième sujet de prière, nous, c'est pour l'élection au niveau de l'église. Nous reconnaître que, tandis que nous vivons dans fin temps, nous avons cherché des hommes et des femmes. Et comme nous sommes dit à travers le texte, nous avons toujours demandé qui enverrai-je qui marchera pour nous. Aidez-nous en ce moment pour que nous soyons capables de répondre positivement par rapport à l'appel que vous lancez nous pour nous capables de diriger l'église ou collaborer dans l'avancement de l'œuvre. Ou va bénir les serviteurs que vous placez dans le temps nous. Ou va également bénir chaque monde qui déjà été disposé et disponible pour prendre position pour travailler pour vous. Si là ou qui n'en poste déjà, qui est capable de permettre de faire de nouvelles expériences ensemble avec vous. Car l'église a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de vraiment révéler, disposer et disponible pour ce travail. Troisième sujet de prière à présenter, c'est pour les familles, papa chéri. Nous reconnaissons que deuxième institution que vous mettez, c'est la famille. Nous reconnaissons que ennemi, à l'instar du sabbat, famille, c'est plus gros ennemi. Mais nous demandons en ce moment que dans miséricorde, les familles qui retrouvent en difficulté ou capables de faire intervention. Les familles en ce moment qui sont pente, Seigneur, pour capables de divorcer, mari avec madame qui paraît pour divorcer. Des petites qui en difficulté dans moment ça. Des foyers qui pas connaît à qui aller à qui crier dans moment ça. Des pères et mères de famille qui pas gagne personne dans moment ça. Des mères de famille qui a crié dans moment ça. Des pères de famille qui veulent fou dans moment ça. Papa, institution ça que tu as créé, nous reconnaître que malgré vent et marée, ou gon porte de sortie pour yo. Et c'est pour raison ça n'a mando côté gain la haine que capable de mettre l'amour aider pour capable cultiver réconciliation à la place de la haine aider pour capable cultiver l'amour à la place de la haine aider pour capable vivre ensemble parce que nous reconnaître que cette cellule ça au placer dans société a c'est cellule que compter sur yo pour que travail ou pour que l'évangile ou capable prêcher reconstituer les morceaux unir famille qui divisé yo nous compter sur papa chéri. Nous voulons lever devant également un troisième sujet de prière. Les jeunes garçons, les jeunes filles qui, dans un moment ça même, que la vie paraît pour eux comme un dégoût. Gagne papa qui pas connaît qui ça pour eux fait. Gagne qui gagne des projets. Gagne c'est où que attendent pour faire un choix de vie. Gagne c'est où que attendent pour qu'ils soient capables de fonder un foyer. Gagne des jeunes filles dans un moment ça, papa chéri. Qui connaît toutes sortes de déceptions dans la vie. Gagne son ménage qui bat aux déceptions. Gagne son ami qui bat aux déceptions. Gagne c'est la vie à même qui constitue comme une déception pour yo. Gagne qui a vécu illégal dans le pays ça. N'a mando dans ta grande miséricorde qui est capable d'apporter réconfort. Parce que nous reconnaissons que l'homme est capable de déçu, mais Jésus de Nazareth ou pas jamais déçu nous. Et ou pas jamais commencer pour pas finir. Qui est capable de dire mot de pitié pour jeune garçon ça. Qui est capable de dire mot de pitié pour jeune fille ça. Parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas jamais commencé pour ne pas finir, papa. Dans ce moment ça, nous voulons prendre du temps pour nous lever par devant ce pays dans lequel nous évoluons. Papa chéri, nous reconnaissons que nous vivons dans un monde qui est assez difficile. Merci pour la liberté d'adoration que nous avons jusqu'à cette présente minute. Nous demandons que nous capable de toucher le cœur dirigeant. Pour nous capable de formuler des projets qui sont capables d'aller dans le sens pour améliorer les conditions du peuple. Comment nous avons fait oublier le pays d'Haïti? Nous reconnaissons que, papa chéri, dans ce moment, le pays n'a pas besoin de la prière, parce que la prière matin, la prière midi, en faveur, a prononcé. Le pays n'a pas besoin de l'amour, le pays n'a pas besoin de conscience. Nous demandons tant prie que la conscience d'en haut capable de manifester dans le cœur dirigeant, dans le cœur si là-haut qui a fait mal, parce que nous reconnaissons que c'est créature que vous êtes. Allez toucher conscience. Aidez-vous pour que vous soyez capable de connaître que le pays que vous placez, là que vous placez, c'était ça que vous êtes capable de vivre en harmonie pour évoluer. Papa chéri, dis un mot pour le pays d'Haïti. Parce que nous reconnaissons que côté l'homme est puissant, ou même capable de faire gloire manifester. Oh, en dernier lieu,
nous voulons lever par devant au Seigneur cette période de fin d'année avec tout défi que le constituait. Gen pile monde c'est où que attend dans moment ça parce que gen des monde mort déjà trop pour yo, gen des monde loi écale la trop pour yo, gen des monde qui pas gen travail, gen des monde qui malade, gen des monde dans moment ça qui désespéré et gen monde dans moment ça calé pour faire tête yo mal. Seigneur t'en prie, fais intervention là côté oyé et gen des monde en ce moment papa chéri captain yon dernier mot dans mon parce que reconnaître que l'homme capable failli, mais l'Éternel des amours pas jamais failli. Dis-moi de pitié ça pour yo. Aidez dans cette fin d'année pour nous capable erreur que nous t'ai fait pendant toute année pour nous capable ressaisir. Aidez pour nous capable mener une vie qui conforme à ta sainte volonté. Oh, tandis qu'en ce moment, vous choisissez serviteur pour capable intervenir dans nom pasteur Jean-Villomas, ou reconnaître lui mieux que nous. La mando que dans ta grande miséricorde, tu es capable de transformer à image. Continuez à mettre parole au soulève-lui. Permettre que le capable continue à prêcher avec autorité. Que Saint-Esprit ou capable d'imprégner. Couvrir le manteau de protection. Couvrir madame. Couvrir petite fille, petite garçon de la côté. Faire intervention dans la vie. Continuez à bénir le ministère. Li, et aider pour le capable toujours cultiver l'amour pour conduire tout pour là. Nous connaissons un travail qui n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est dans. Victoire lui a assuré. Bénis ton peuple en adoration. Bénis chaque membre d'église. Bénis l'église ou aidez-nous pour nous capables de consommer dans l'unité. Pour que parole ou capable de prêcher. Et dernière âme n'est capable de venir à la conversion. Enlevez pour nous, ça nous dit de trop. Augmentez pour nous, ça nous pas dit. C'est grâce et faveur, nous te les réclamons. Au nom de Jésus, ton Fils. Lui qui vit et qui demeure. Dès avant tous les temps. Maintenant et au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. La plus grande offense que nous puissions faire à Dieu, qui nous dispense si généreusement des dons, c'est de les utiliser égoïsement sans rien lui rendre. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 384. Pour faciliter le pas des diacres, nous allons chanter le chant approprié de la dîme avec faiblesse. Oh,
Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel, là, nous te remercions infiniment merci pour la grâce que vous faites. Nous. Tout au cours de ce moment, nous avons vaqué à l'occupation. Nous avons le travail, nous avons mis dans la main. Nous. Mais nous venons avec offrande, nous, avec dîme. Nous avons avant d'accepter. Avec cœur, nous acceptons nous tout entier comme offrande vivante à vous-même. Et ensuite, accepter offrande main. Nous. Qui permet que chaque jeune capable toujours garder à vous-même et à vous-même seul. Et confier en vous-même. Et jusqu'à ce que vous venez chercher nous sur terre de péché. Ça. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Nous réclamons toute grâce à notre petit Jésus, lui qui vit, qui règne maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans le cadre de continuité du service, là, et d'abord, nous avons information annonce passée. Et nous avons un groupe diaconesse qui est de service pour ce maintenant, c'est groupe 3. Au lieu de groupe 2, c'est groupe 3 qui de service. Et puis, tout diaconesse, nous avons une convocation tous, immédiatement après le culte. Là. Et le président et la présidente ont rencontré tout diaconesse. Merci déjà pour la compréhension. Tout de suite après le culte. Là. Et puis, nous avons gagné Children Corner. Tout de suite après Children Corner, nous avons gagné un chant spécial avec frère Foli Gourège.
après frère Foli Gouège, n'a gagné une minute pastorale nous avec pasteur Lévisa, pasteur Jean-Ville Omas. Et après ça n'a gagné moment louange nous et dernière voix nous va gagner pour entendre assez voix pasteur Jean-Ville Omas. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'a demandé ici prier dans cœur nous pour lui pour que bon Dieu capable et inspirer le message qu'il faut pour nous moi-même ensemble avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Too Precious to Lose. The memory verse is from Luke chapter 19, verse 10. It says, "For the Son of Man came to seek and to save what was lost." The message is Jesus looks for me because I am precious to him. Kristen's best friend, Kaylin, gave her a special book for her birthday. One day, Kristen lost the book. She looked all over for it. In our story today, Jesus tells about a woman who lost something important. Perhaps it happened like this. The morning sun warmed the back of the busy women. Laughter rippled through the crowd as they shared stories. Laundry day meant hard work, but happy visiting. As the women scrubbed and rinsed, they had something new to talk about. "Have you heard the stories Jesus tells?" asked one. "They are so interesting," said another. "He understands how we live." Back and forth, they talked about seeing the sick people healed and about the kind things Jesus said. "I hope to take the children to listen to him tomorrow," smiled a young mother. "Oh, I would love to go along," agreed another. Soon, several of the women were making plans for the next day. Happy children skipped along beside their mothers the next day. Excitement was in the air. Soon, all the people sat down and Jesus began to speak. He told them a story about a shepherd losing one of his sheep, and how happy the shepherd felt when he found it. Then Jesus began to tell a story that the little group of laundry ladies leaned forward in to hear. There once was a woman who had 10 silver coins. One day, the woman lost one of her silver coins. "Oh no," the woman thought about the poor woman in the story. That was about the most awful thing that could happen to a wife. What would her husband say? What would her neighbors and friends say? "The lady lit a lamp and began to sweep her house," Jesus went on. "She looked everywhere for her lost coin." Jesus watched the faces of the people listening to his story. He knew what their homes were like. Because they had small windows or no windows at all, it was dark inside, even in the daytime. It would be hard to find a coin. She kept searching. She would just not give up. On the table, under the table, behind the heavy water pot, she looked and looked. She searched the dirt floor. Suddenly, she saw it. "I found it," she cried, quickly picking up the smooth coin. Dashing outside, she ran to her neighbors and friends. "Come, celebrate with me. I lost one of my coins, and now I found it." Many in the crowd laughed with relief. Jesus laughed with them. With a twinkle in his eye, he added, "There is rejoicing in the presence of angels of God over one sinner who repents."
Bonjour, Frère Maxime. Bon Dieu, bon pour nous, mais c'est vrai. J'ai toujours voulu trouver la lumière. J'étais confus, mais sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, que je veux donner. Tu m'as donné la foi pour changer ma vie et je crois en toi. Rien n'est plus doux, Jésus, et demain n'est pas en chers frères et sœurs, un jour à la fois. Hier n'est plus, demain n'est pas encore pas.
mais pas encore. Je dis à nous là, c'est pour nous vivre ça avec l'Éternel. C'est pas ça? Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, pour la grâce qu'il nous a faite d'être présents dans son Saint-Temple pour l'adorer en esprit, en vérité. Nous disons, bon Dieu, merci pour grâce qu'il fait nous en présence pour nous adorer, chers frères, pas vrai? Soyez dans la joie. Et nous sommes contents également de voir, il y a des jeunes, mais nous sommes tristes lorsque nous ne voyons pas le grand nombre de nos jeunes, mais ils viendront par la grâce de Dieu. Et nous sommes contents également d'honorer par la présence de pasteur Jean-Luc Le Gros qui est avec nous et sa famille. Jean-Luc Le Gros et quoi? Il a quelqu'un d'autre avec lui également. Y a-t-il d'autres amis visiteurs qui sont avec nous? Est-ce qu'il y a d'autres visiteurs qui sont là? Amen. Amen. Nous souhaitons encore une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes en sa présence pour l'adorer en esprit et en vérité. Et nous voulons saluer également l'autre capitaine de nous sur ligne téléphone, sur YouTube, Facebook. Il est bon d'adorer Dieu parce qu'il est notre créateur. Il est un grand Dieu, il est un Dieu d'amour. Et lorsque nous l'en présentons, il prend soin de nous. Et nous saluons nous tous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et également, comme vous le savez, nous voulons, au nom de l'Église Mont des Oliviers, au nom de la Northeastern Conference et de l'œuvre adventiste en général, au nom de ma famille et en mon nom personnel, nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille Joseph et Génice qui perdu Papa Yo, que le Seigneur d'eux les réconforter, les encourager et leur donne la persévérance car bientôt Jésus reviendra pour mettre fin à la mort et son aiguillon qui est le péché. Nous demandons toute l'Église pour nous capables de sympathiser avec Yo, prier pour Yo, relayer Yo, et que pour nous capables de supporter une autre, parce que ce moment n'est pas facile. Immédiatement après le service, nous aurons à vous présenter le travail de la commission de nomination. C'est pour une raison, immédiatement nous finis, c'est le travail de la commission de nomination que nous allons vous présenter. Et en ce moment également, nous disons que nous gagnons semaine de prière de fin d'année du 26 décembre au 1er janvier. Nous aurons avec nous pasteur Jules Hervé Jelin qui sera avec nous ici. Maintenant, la semaine de prière se fera sous ligne téléphone. Mais le sabbat, 1er janvier, il sera présent avec nous parce qu'en ce sabbat-là, nous aurons notre cérémonie de Sainte-Seine. Nous aurons notre cérémonie de Sainte-Seine. À la gloire de Dieu, chers frères et sœurs. Dieu est bon pour nous. Et le sabbat 25, il y aura une journée d'appréciation à l'église. Amen. Une journée d'appréciation. À cette journée, nous aimerions demander également, chers frères et sœurs, c'est pas là au monde moui pour dire ou apprécier. C'est pas vrai? Si vous avez un monde dans ce jour-là, vous avez fait connaître que vous appréciez, ou apprécier ce travail-là, fait plan en ce jour-là pour une opportunité pour capable de dire ça que vous appréciez. C'est pas vrai? Fait plan pour cela. Parce que nous travaillons tous pour le Seigneur, mais les gestes d'appréciation, ils vaut bien. Et nous allons gagner une journée d'appréciation pour le Seigneur. Et nous voulons également demander toute l'Église là pour nous continuer à prier pour tous les malades qui sont dans nos rangs et d'une manière spéciale pour nos jeunes. Il y a un moment très difficile que la jeunesse a traversé. Moment de dépression, moment de tristesse, moment de toutes choses. Priez, même là où pas ta gagne un petit qui sorti de vous même, priez pour petit tout parce que ce sont nos enfants. Pour que le Seigneur est capable de faire route avec vous. Des fois, ils n'ont pas parlé avec nous. Mais vous pouvez parler avec bon Dieu, prier pour que le Saint-Esprit travaille avec vous pour conduire pour nous sur la voie de l'éternité. Mais par comportement, nous, par conduite, nous, en nous aider également à voir Jésus-Christ en présence. Et nous voulons dire maintenant, et de sabbat de cela, nous avons une cérémonie de baptême. Nous voulons présenter ces deux personnes immédiatement à l'église et la secrétaire va nous rejoindre pour les présenter à l'église pour nous accueillir à l'église. Comment
We had two baptisms. Nous mandeo sur qui venait devant. It's Kelly Gourej et Clairvaux Georges. Kaylee and Clairvaux Georges. Okay. Is Kaylee here? I know she's here. Okay. Can someone get her? Someone went already. Okay. So we are giving them their certificates and Bibles, and the certificate of baptism symbolizes confession of faith in Christ, adoption into the family of God, commissioned for service. So the certificate is in harmony with our Lord's commandment. Kelly Gourej and Clairvaux Georges were baptized at Modes Olivier Seventh-day Adventist Church on the 23rd of October 2021 and received into the Modes Olivier Seventh-day Adventist Church of the Northeastern Conference on the 23rd of October 2021. So, ladies and gentlemen, these are our two new members of Modes Olivier. Et nous pas capable faire là tout le monde, les anciens qui sont là, nous passons pour les donner les mains d'association et le département des activités laïques. Comme c'était déjà dit, vous êtes membre à part entière de l'église Modes Olivier et de l'église adventiste mondiale. Et nous n'avons pas à tout ça qu'a fait l'église dans nous. Nous avons droit de questions, droit d'intervenir. Mais sachez que vous êtes pas, nous pas encore dans le ciel. Mais nous quittons le regard, nous fixons sur Jésus et nous marchons avec lui jusqu'à la fin. Un beau jour, c'est parce que le secrétaire qui a introduit nous les matériels après le baptême. C'est Jésus qui va introduire nous la couronne du mortalité. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir l'église. On va mettre nous debout pour nous capables louer bon Dieu. Gloire, gloire à l'Éternel. Yeah.
Chers frères et sœurs et distingués amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents d'être dans la présence de Dieu après avoir chanté sa louange, intercédé pour nos frères et sœurs par notre bien-aimé ancien Cadestin, chanté louange par frère Folly, le team Prestime qui saute chanter la louange de l'Éternel, vient chercher la main de l'Éternel, mais au moment qui arrive, nous t'aimons qu'on est qui ça l'Éternel veut dire nous. Nous allons aimer ça. Et seulement ça nous demande, nous, c'est si nous voulons recevoir la bénédiction, c'est mettez-nous dans la disposition, ça l'Éternel demande nous pour nous faire. Et nous saluons également tous ceux qui nous écoutent sur les YouTube, Facebook et sur ligne téléphone qui est en maison. Nous faisons nous connaître que bon Dieu est présent à la caille nous tous parce que nous observons Dieu qui est omniprésent. Mais il est bon d'être dans le temple de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. We are happy for our young people also, those who are here. But we are sad for those we don't see. I hope even you stay at home, you're still worshiping the Lord. Today is the Sabbath of the Lord. Don't let you drag back whatever it is to go to something else. Today is a day of worship. Even you are at home, worship the Lord, that the day the Lord has made to worship him in spirit and in truth. Nous comptons pour tous les amis visiteurs qui sont là. L'église de Dieu, c'est sa liée, c'est l'église d'amour, et pas ça? Dès qu'on dit l'église de Dieu, on dit l'église d'amour déjà, parce que Dieu est à? Et pas ça lié? Que nous dans la joie, chers frères et sœurs, parce que nous dans la présence de Dieu. Nous connaissons qu'à sortir la carrière avec toutes sortes de problèmes, de difficultés. Mais si vous choisissez pour venir dans la présence de bon Dieu, connaissez que bon Dieu qui a résolu Dieu pour vous, et pas vrai? Restez dans la joie, l'Éternel est présent avec nous. Nous parlons longue. Message en longue, mais nous va parler long. L'Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, ta parole est ouverte. Ton peuple est présent et nous sommes en ta présence. Nous aimerions que tu aies toi-même parlé à nos cœurs, de nous effacer complètement et nous accorder la puissance de ton Saint-Esprit, que ta parole puisse sortir sans altération d'aucune et que ton peuple ici présent et ceux qui nous écoutent partout puissent être édifiés à salut. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. En nous retournant à la lecture, nous, si vous voulez mettre le sous-screen pour nous, c'est Ésaïe chapitre 6, les versets 1 au verset 9. OK. On dit ici l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Le prophète Ésaïe, le nom Ésaïe signifie le Seigneur sauve. Et thème central livre là dit que l'Éternel sauve son peuple. Et l'Éternel est Dieu et il travaille pour le bien-être de son peuple. Bon Dieu pas voulu nous la malheur pour nous mourir là-dedans, non, il veut sauver nous toutes. Et le prophète Ésaïe dit, lui fait une vision, lui où est l'Éternel, mais c'était au temps de la mort du roi Ozias. C'est dans l'an 700, Ozias mourit. Mais si nous faisons récapitulation, pour retourner dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 5, nous allons comprendre pourquoi l'Éternel va faire appel à Ésaïe. Le chapitre 1er, il y a un bon avant, un petit lecture seulement à comprendre. L'Éternel parlait, il dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, d'Amos sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias. Ésaïe, c'est un prophète au temps d'Ozias. Mais qui ça t'a passé au temps d'Ozias? Vous faites pour qu'on ait, pour qui ça l'Éternel relève le prophète Ésaïe. L'Éternel dit que, verset 2, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Quand l'Éternel parle. C'est pas prêter attention nous. Lui mande ciel là pour tendre. Terre là pour prêter oreilles ou. Qui moun qui pral parler, pasteur Mans. Et en ce jour, ça c'est la parole de Dieu, c'est l'Éternel qui a parlé. Mon des Olivier, écoutez. Mon des Olivier, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Mais ça le dit. L'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils sont en révolte contre moi. Li nourri, li élevé petit, mais ils sont en révolte contre lui. Nous va continuer à dire,
Il dit bœuf yo connaît mettre yo, agneau connaît crèche yo, and so on and so on. Mais Israël ne connaît pas son Dieu. C'est pas triste? Voilà le contexte. Au temps d'Ozias, peuple était dégénéré, abandonné l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel a des temps crivés. Il a besoin d'un monde qui peut élever la voix pour lui. Hein? C'est pas vrai? Pour dire peuple, ça l'a fait pas bon. Et ainsi, lecture continue pour dire c'était au temps d'Ozias en l'an 700. Ozias mourit et Kounyéan, vocation d'Esaïe parfaite en chapitre 6, vrai, il sortit à partir du chapitre 1er. Mais maintenant, il dit, Esaïe fait vision, il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'Éternel est très élevé. Pour voir l'Éternel, il faut élever les yeux. Il faut élever les yeux en haut, car notre délivrance n'est pas sur la terre. Car chercher pour vivre sur la terre, parce que nous voyons que l'Éternel crée toutes choses pour le bien-être de son peuple. Mais lorsque les hommes t'ont accaparé toutes choses qui sont sur la terre, un seul bagage pour quitter le pas accaparé, c'est vie ou relation à l'Éternel. Parce que même si vous perdez tout ça sur la terre, avec l'Éternel, vous êtes réjoui pour le temps et pour l'éternité. Et tout le monde qui a accaparé tout ça sur la terre, il va prendre le passé avec tout, parce que tout ça sur la terre est pour disparaître. Relation la plus importante, c'est relation avec l'Éternel. Elle nous dit la plus importante. Depuis, relation avec l'Éternel, les connecter, on n'a pas besoin de connecter relation avec les hommes. Parce que automatiquement, les connecter. C'est pas vrai? Si relation pas qu'à connecter avec frère ou avec soeur ou yo, c'est parce que tout simplement, something is wrong, la relation pas avec l'Éternel. Il dit que l'apôtre et le prophète Esaïe voit, il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient combien? Chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, symbole de la révérence, de respect, ils n'ont pas qu'à contempler la face de Dieu, n'est pas vrai? Les séraphins, oui. Replacer des anges, oui. L'enrang, oui. Devant l'Éternel, qui ça a fait? Ça, ça a dit moi-même envers. Je n'apprendrai en présence de l'Éternel. Avec toute arrogance. À marcher dans ton plan. Et des fois, cognant, c'est question de masse qui fait nous, on dit, j'en pas parler trop, pour comprendre. Et j'avais dit que pas gon mal définitif. Toutes choses qu'on croit bien de ceux. Maintenant, séraphin yo, yo ge 6 ailes, 2 yo couvri tête yo et face yo et 2 yo couvri pied yo. Et 2 yo servi pour yo voler. C'est-à-dire les a volé en qui ça yo mette yo au service de Dieu. Dieu les met à son service. Vous voulez pas comprendre. Lorsque bon Dieu fait appel à eux même pour servir, c'est pas n'importe quoi lié. Ce n'est pas que, comment dire, le président Biden call you to serve. Every one of us will recognize that is an honor to serve with President Biden. But God is above President Biden. God is above all. We don't see him. When he calls us, we have all the excuses not to answer. Yes, we don't understand. You don't have to like the form that Pastor Mas. C'est pas vrai? To serve the Lord. You're not serving Pastor Mas. C'est pas vrai? You're not serving Elder Florestal. C'est pas vrai? You're not serving anyone. You are called to serve the Lord. Nous pas servir les hommes. Nous appelés pour nous servir bon? Bon Dieu. Et le Dieu que nous servons, lorsque lui ou elle chita sous ton nom, il nous prend rempli ton plan. C'est-à-dire, la présence de Dieu, pas grand rien qui a contenu lui. Il est tellement grand et élevé, chers frères et sœurs. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est celui que nous servons. Angio, volé. Il criait l'un à l'autre et disait, Angio, il s'est fait, oui. Il a crié l'un à l'autre
Et qui s'arabe dit, Saint est l'Éternel des armées. Que toute la terre est pleine de sa gloire. Trois fois saint. C'est pour montrer l'incomparable de la sainteté de Dieu. La plénitude de sa sainteté. Et d'où toute la terre remplie de sa gloire. Dieu domine dans les cieux et Dieu domine sur la terre. Il fait ce qu'il veut dans les cieux ainsi que sur la terre. Il a disposé des hommes. Des fois, moi-même avant, on a plein l'empire mon au lieu de plein l'empire l'éternel. L'empire mon a plein, il a vint plus endurci. Mais si on plein l'empire l'éternel, même mon qui plus endurci, l'éternel a mis la disposition. La mettez à la disposition. C'est l'elfine servi ou libre à le camper devant. C'est moi qui servi. Sœur Sonny, non. Sœur Sonny, je ne vais pas jamais elle dans l'image, mais je me servir. L'Éternel voulait délivrer petit, il n'y a pas de monde qui n'est pas utilisé. C'est pour faire confiance à l'Éternel. À l'Éternel. Il dit que, il remplit, il dit, l'apôtre, le prophète Esaïe continue pour dire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. La maison remplie de fumée. Le verset 5 dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, chers frères et sœurs. Il reconnaît la grandeur de Dieu pendant qu'il a contemplé. Automatiquement, ça vient de balancer l'autre image de petitesse, de insignifiance. Pour le paraître en présence de Dieu, il dit, je suis père. Parce que nous songeons que Jésus t'a dit à Moïse, à Abraham, pas de monde qui est capable et qui vivre. Parce qu'on contemple la gloire de Dieu, mais bon, on dit bagaille. Si bon Dieu veut faut contempler sa gloire, on va contempler et on va vivre. Mais il faut en relation avec l'Éternel, n'est pas vrai? Parce qu'elle reconnaît la sainteté de Dieu, la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu, l'Éternel fait grâce pour le contempler. Il dit non, perdu. Parce que, côté, nous te parlons des commencements au capable à partir du chapitre 1er et 2, qui parle des péchés de Jérusalem et de Juda. Au milieu, peuple là, vive là, peuple là, pas grand, rien qui bon, le dit, non, mais nous, peuple qui est pur. Et moi, je suis un. Si c'était moi-même, peut-être nous a dit que mon milieu, un peuple qui est pur. Et moi, je suis pur. Nous, nous n'avons pas pur devant l'Éternel, chers frères et sœurs. Ça, nous devons reconnaître, lorsque nous contemplons la grandeur de Dieu, c'est pour nous reconnaître petitesse, nous, insignifiance, nous. Si bon Dieu fait nous grâce, appelez-nous pour nous servir, c'est pour nous capables de jeter nous bien bas, pour nous dire l'Éternel, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les séraphins observent, et gloire remplit toute la terre, il fait salver dans le ciel, il fait salver sur la terre. Il n'y a pas de limite, et personne n'a pas opposé à lui-même. Le roi des rois, et l'Éternel des armées, l'Éternel est chef de toute armée qui a existé, oui, chers frères et sœurs. Et si on fait un cliché, nous avons gardé, nous-mêmes des fois, nous avons passé devant nous, nous tellement gain sang, nous sentons notre affaire et nous incapables. Ça qui passe en Haïti, yo. Si l'Éternel voulait faire ça seulement, l'arrêter tout le bagage, c'est fini. Et si moi-même avant, je n'ai mon solution pour Haïti, à qui est-ce pour moi j'ai causé? À l'Éternel. Fort intelligent, même sur Haïti ou peu, ou pas qu'à faire un yen pour changer, même qu'on compte pour m'aller pour me changer la circonstance. Mais bon, je dis un petit bagage. Pour m'aller changer la circonstance, gagne un point de départ, c'est pas vrai? Point de départ, là, c'est pour me commencer par changer tête pomme. C'est pas ça? Point de départ, là, avant de me complaindre de ce qui a passé autour de moi-même, faut me connaître moi-même qui est à moyen avec l'Éternel. C'est pas ça? C'est analyse ça pour nous faire, chers frères et sœurs. Reconnaître que nous sommes purs, reconnaître ces pécheurs nous sommes, reconnaître les signifiances, nos petites tests, nous, et quitter l'Éternel, utiliser nos gens, chers frères et sœurs.
le prophète continue pour dire, mais pendant que lui criait, lui impur, lui voit que lui pas capable résister, mais l'un des séraphins qui t'a crié Saint, 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 est l'Éternel des armées, vola vers moi. Voler vers moi, ça veut dire. Séraphin, ça est à mon cher. L'Éternel qui a pris un séraphin, il va venir servir, et pour moi-même, je ne vais pas servir l'autre qui est bon côté. Ou bien je ne vais pas servir l'Éternel. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. Sous qui autel nous a pensé le prendre pierre ça? Dans le sanctuaire, dans le lieu saint, il y a ce qu'on appelle l'autel des parfaits. Côté qui est enceinte, qui a boulé, qui a monté, nuit et jour, qui a devant l'Éternel, on dit qu'il fait monter la prière des. Autrement dit, prière, c'est qu'il a monté, c'est ça qui prend le faire, nous-mêmes, nous purifier, nous sanctifier. Et bien, il prend pierre, ça, il prend les avec un pincette, qui ça le fait avec elle? Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevé et ton péché est expié, chers frères et sœurs. L'Éternel est capable. Est-ce qu'on t'a amené l'Éternel toucher aujourd'hui? Est-ce qu'on t'a amené toucher les lèvres aujourd'hui? Si vous disposez, la faire. Mais pour le faire, qui ça nous est fait l'hypothèse? Esaïe criait, moi comment? Impur! M'babon! M'bakawe l'Éternel! Et en venant pour le fond transformation pour qu'à servir l'Éternel. Et bon, nous, si l'Éternel est aujourd'hui pour servir, même si vous n'avez pas besoin de penser sur incapacité, vous n'avez pas besoin de penser sur un lien encore, non, livrez-vous en mail parce que le monde qui est là, c'est lui qui a équipé pour faire ça au besoin. Même Jean le fait pour Esaïe qui criait l'impur, il t'a couru de la foi de l'Éternel, il dit non. C'est la fin approché pour lui dire non, ou pas besoin de peur, rien. Il prend pierre là, il touche, il dit que maintenant ton iniquité est en et ton péché est pas, est expié. C'est l'expiation dans le sanctuaire, c'est le mot ça qui tourne encore. Lorsque le souverain sacrificateur qu'on rentrait dans le grand prêtre qu'on allait, le sacrificateur qu'on allait dans le lieu très saint pour faire aspersion. Mais le souverain sacrificateur rentrait une fois dans le lieu très saint, une fois là dans le lieu très saint pour faire expiation des péchés. Qu'on y a ange, l'en prend pincette, ça c'est par le sanctuaire sur la terre. Il prend un charbon, ça, dans le sanctuaire céleste, il touche Esaïe, il rend lui comment? Pur, parce qu'elle te reconnaît, elle est impure. Leur reconnaître petit air sous, leur reconnaître insignifiant sous, ou livre l'homme et l'Éternel, l'Éternel qui a transformé la vous. You need to recognize, without God, you cannot do anything. That the greatest mistake you can make in your life, when the Lord calls you, and you say, answer, I am not moving forward. You think that you're serving yourself. That's not. You arming yourself. Ou fait du tort à tête ou lorsque l'Éternel rele ou pour servir. M'bral dou ça fait l'Éternel rele pour servir, m'pa vle vini. C'est parce que c'est pour l'Éternel m'konnen qui met la vie, moi reconnaître c'est moi qui met tête moi. Et si c'est moi qui met tête moi, m'garantis ou si c'est moi qui conduit je vais prendre l'autre côté avec elle, qu'elle en fait à l'aise. Je vais prendre avec elle parce que ça t'a mis tellement de choses devant. C'est ça qui prend la caparème. C'est homme Chanel là, qui prend l'agir. Ce n'est pas homme spirituel. Là. Mais si c'est l'Éternel qui a mené, si un n'a touché lève-moi, lui purifier avec l'Éternel, n'a fait des exploits, chers frères et sœurs. Donc, il a fait des exploits. Et j'entendis, verset 8 dit, et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Bien des circonstances qui arrivaient, l'Éternel besoin au monde. Est-ce que l'Éternel bon monde l'assemblée aujourd'hui? Oh. Est-ce que l'Éternel bon monde l'assemblée aujourd'hui? Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Bamdou, tant Esaïe. Je le rappelle verset 1er au verset 5, c'est paraphrase. Les péchés de Jérusalem, les péchés de Juda, je voudrais croire personnellement, c'est moi qui dis,
n'est pas comparable à ce qui a passé aujourd'hui. Ce qui a passé aujourd'hui, pire, technologie avancée, connaissance a augmenté. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare, lorsque la connaissance a augmenté, la charité du plus grand nombre a refroidi. Est-ce qu'on pensait tant Esaïe, hein, tant Judas, Ozias, non, à tant qu'on y est, hein, y a comparable? Si il y a un moment, l'Éternel a besoin de monde pour le voir, c'est qu'on y est. C'est qu'on y est. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Well, c'est une question. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Le prophète a déclaré. Je répondis, me voici, envoie-moi. C'est là le titre du message. Me voici, envoie-moi. Et qui mon âge au dire qui t'avait dit me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. All those who are members baptized, when you baptize, you enter the church, you come for a mission to go to tell others about Jesus. Go tell them about Jesus. This is not a time to stay home without doing anything. This is not a time to stay on your bed. This is a crucial time. Everyone needs to stand for Jesus. To go and tell someone what is happening. Ça qu'a passé, nous grands, oui. Même grand roi, grand président, grand autorité qui tombe dans le boum ça. C'est ouais, pas même mon côté pour aller, non? Il y a peuple, mon côté a peuple, c'est pour monter là moi-même, mais pas vrai. Là moi-même, la Mars, planète là. Je connais que si la Terre t'a fini, il y a cherché un recours pour y aller vivre. Bamdou, planète ça, on va pas rien. Mais moi-même avant, nous connais qui côté n'a monté. Nous connais qui côté n'a monté. Et quand on a monté, on n'est pas accessible aux méchants. C'est dans la présence de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est en route nouillée pour nous aller dans le ciel, chers frères et sœurs. Pas quitter tribulation sur la terre au fini avec nous. Il y a quelqu'un qui a créé le monde et qui a la solution au problème de l'humanité, c'est l'Éternel des armées. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Glad at this time, prophet Esaïe answer. Here I am, send me, O Lord. Me voici, envoie-moi. Mon âge Olivier, qui enverrai-je? L'Éternel déclare, qui marchera pour moi? A fait commission nomination à travail. Commission nomination, qui a le café? C'est l'Éternel qui fait appel à oui. Pas vrai? C'est me voici, envoie-moi, oui. Bamdou. De vous parler pour l'Éternel, ou parler pour nous quand même, oui. Nous allons comprendre. Si l'Éternel veut vous parler, ou après ce vous avez l'autre invitation, oui. Nous allons comprendre. Let me tell you. Malien tellement rougé. Si l'Éternel call you, l'a dit, bon, ou pral collaborer avec Pasteur Bass, ou pral collaborer avec Frère Blaise, pas occuper moun sa yo. Bon, Pasteur Bass pas bon tout, c'est pas vrai? Pasteur Bass pas bon, même avec tout, pas bon. Mais si bon Dieu fait nous grâce, nous devons servir l'Éternel avec fidélité. Et ce n'est pas avec Pasteur Mars qu'on peut collaborer, ce n'est pas avec les anges qu'on peut collaborer, c'est avec l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui appelle, qui enverrai-je, qui marchera pour moi. À l'instar d'Esaïe, nous crions, nous voici, envoie-nous l'Éternel. Et ça n'a pas demandé l'Éternel, c'est pour le prendre même charbon ça. Pour le brûler l'œuvre nous. Pour l'enlever l'iniquité nous. Pour l'expier péché nous. Et pour nous marcher en toute humilité. Il y a un péché qui doit éliminer pour nous, c'est l'orgueil. C'est le moi. Après moi, je ne vais pas gagner encore. Nous ne pouvons pas qu'on est côté de mon campé, ma prêche en son grâce qui fait là.
M'badoué là, il va vrai. Vous le savez bien. Mais la grâce qui m'est faite, m'a toujours humilié, m'a appelé l'Éternel, servi l'Éternel toute ma vie. Le psalmiste a déclaré, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel quelques jours. Tous les jours de ma vie. Mon des oliviers, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ta vie. Et for our young people, we want to let you know, l'Éternel make the same call to you today. Who shall I sit? I wish that you can answer. Here I am, O Lord, and send me. At this time, the Lord needs the young people. They have more connection to the people of the world today in the sanctuary we are living now. You can bring the good news to the others, your friends. We're living in a time of distress, of depression. Young people are trying to kill themselves because they don't see any hope. Because they are facing so many trouble. Maybe I can go to them. They say that I don't want to deal with the pastor. May I guarantee you, if Sister Jason go to a young people, they will listen. Et pas vrai? Laissez un jeune qui a les côtés, qui a le parler, un jeune qui a cru en l'Éternel, il attendait. The Lord needs our young people to send to others. The young people that are perished at this time, they don't have any hope. We need to gather together to accomplish the mission and to go home because Jesus is coming soon. Maintenant, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Me voici, envoie-moi. Voici le message. Il dit alors, qui est-ce il? C'est l'Éternel. Il dit alors, va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Autrement dit, yo tendez, mais yo pas comprendre, hein? Des fois ça arrive, pas vrai? Et il y a une différence entre entendre et écouter. Lorsqu'on entend, ou capable de machine à passer là, le fond bruit de là, tout le monde entend elle. Mais lorsqu'on écoute, ou vous voulez t'arrêter son ça, qui machine y est? Est-ce que c'est un gros choc? Est-ce que c'est un bus? Lorsqu'on écoute avec attention, ou vous voulez comprendre pour capable de distinguer le son. Ou pas qu'à vivre pour un monde qui a tant de bruit seulement, mais des fois, il faut prendre le temps pour écouter, pour distinguer le son, ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est agréable, et pour pratiquer ce qui est juste. Il dit, vous verrez. Et comme si que, et vous ne saisirez pas. C'est comme si que, je prends un exemple comme ça. Je vais vous j'aime l'amour et nous tous. Et puis, je me suis dit, je me suis dit, qui a quitté son frère Olex? Et puis, je me suis dit, et puis, je me suis dit, je me suis dit, qui a quitté son frère Olex? Son frère Olex, il a commencé depuis l'an lunette, qu'il a gelé l'an doux, toute couleur, il arrivait jusqu'en pied. Pour qui ça? Il t'a prêté, attention, il a décrit. Ça veut dire que lui dit, il a gardé, mais pas gardé pour être capable de saisir sa image. Il a une image, mais il n'a pas compris. C'est comme si on a gardé pour ça. Comme si vous avez compris les couleurs, parce que vous n'avez pas vrai. Vous avez dit, vous n'avez pas vu combien de couleurs qui paraissent comme couleurs pour distinguer. Parce que vous n'avez pas pris attention, et puis vous avez compris, vous regardez le pink, le 10, le date. Vous saisissez exactement ça. Et il dit, al di peuple, malgré tout message, malgré tout avertissement, vous still à plonger dans les ténèbres. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Parce que nous, thème livre, l'Éternel veut sauver son peuple. L'Éternel veut sauver Haïti. Il veut sauver les États-Unis. Il veut sauver le monde. Parce que Jésus mourit pour le monde, n'est pas vrai? Il veut sauver tout le monde. Mais la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Pour aller dire, peuple, nous tendez, mais nous ne comprenons pas. Nous gardons, mais nous ne saisissons pas.
Mais l'Éternel voulait tirer attention nous vers lui-même parce qu'il a un plan de salut pour nous. Bam, couper ça pour nous. Parce que en pile nous a dit, on pas prêter sur tout. Et le message, il dit, va dire à ce peuple, nous tendez, nous pas comprendre, nous garder, nous pas saisir. Et que ça, bon Dieu, voulait des peuples, lui voulait gagner des hommes et des femmes loyaux. Moun qui est intègre, qui est capable de camper dans les bons comme dans les mauvais moments pour représenter l'Éternel dignement. Dans le livre Éducation, page 67, section 2, mais qui ça, Madame White, déclaré. Il dit que par leur sagesse et leur justice, par la pureté et la générosité dont témoignent leur vie quotidienne, par leur dévouement aux intérêts d'un peuple qui, lui, était idolâtre, mais qui m'en a parlé, Joseph et Daniel se montraient fidèles aux principes éducatifs et de leur enfance, et fidèle à celui qu'il représentait. Lui dit que comme il y a de monde ça, bon Dieu a besoin des hommes comme Joseph et Daniel. Joseph rentrait en Égypte, malgré que nous connaissons l'histoire de Madame Potiphar et so on. Joseph dit non. Toute offre qui était capable de faire, je ne peux pas changer en lien avec bon Dieu. Dans tout temps, bon Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de reconnaître qui est soyez pour l'Éternel, capable de dire qui enverrai-je et nous capables d'aller pour l'Éternel. Ils n'ont pas changé, ils ont resté fidèles à l'Éternel parce que ils connaissent et observent un Dieu qui est grand. Bon Dieu a besoin des hommes et des femmes comme Joseph, comme Daniel, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, comme Esaïe. Hommes et des femmes obéissants, intègres, sage et fidèle, quand l'Éternel parle, qui est capable de tendre et qui est capable de prendre en volée. Il dit l'un comme l'autre, en Égypte ou en Babylone, fut honoré par la nation qu'il servait. À travers eux, un peuple païen et du même coup, tous les peuples qui étaient en contact avec lui purent apprécier la bonté et la bienveillance de Dieu, l'amour du Christ. À travers la vie de Joseph, à travers la vie de Daniel, à travers la vie de Shadrach, Meshach, Abednego, monde là t'es capable de contempler l'amour et la grandeur de Dieu parce qu'ils ont été menés en vie exemplaire dans toutes circonstances. En tout temps et en toutes circonstances, l'Éternel a besoin des hommes et des femmes. S'il criait, qui enverrai-je? Avant de dire, qui enverrai? Parce qu'elle me donne des verbes, elle dit m'braler. Répondre pour l'Éternel. L'Éternel a besoin des hommes et des femmes qui sont capables de camper pour lui. Il dit que l'Éternel a besoin des hommes et des femmes. Dans chapitre 7, dans page 37, verset 5, il dit, ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas d'hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres, des hommes qui ne craignent d'appeler le péché par son nom. Le monde, ce n'est pas en pile richesse qui a besoin qu'on y a. Haïti, bamdou. M'dap gade l'on texte, vous voyez, c'est ce WhatsApp. Mouna dit que, yodou Haïti pauvre, li pa avo an yen. Ce n'est pas non de yon aptende ça, sou ta besoin qu'on ait combien Haïti riche rentre là-dedans. Et c'est vrai, oui. Nous pas quoi? C'est le pays capable de dire qui est riche, oui, même les pronos comme pauvres, oui. Faut qu'on y soit pays ou tout, oui, là, ça a pour les mouna parler. Pays où, là, son pays, yo, tout ce qu'on a fait, là, son pays, yo mette en dépôt pour mauvais temps, oui. Nous pas comprendre. Yo mette en dépôt pour mauvais temps, oui. C'est bon pays, Jean Baoul, là, non? Soit là, dans on va vivre, ou à côté, mon a vivre. Son pays qui bien. Ça veut dire que yo mette le nom circonstance pour capable connaître ça qui plus mal. Ça veut dire que bon Dieu a besoin des hommes et des femmes, mon intègre,
pour le voyer. Bon Dieu, besoin des hommes et des femmes intègres pour sauver Haïti. Tout est pas vrai? The biggest problem we have in the world is not a problem of money. It's not a problem of wealth or riches. It's a problem of leadership. That's what it is. It's a problem of leadership. When I am leading to please myself, there is nothing good I can do. Because when you're leading for people, you need to see people first. That is a problem of leadership. Take the government and sharing it with your friends while the people are dying. If you need to pray for this country, you need to pray for leadership. For leadership. That's what happened. L'éternel besoin en tant que kounyan, le monde sale besoin kounyan, c'est pas ça, non? Ce sont des hommes et des femmes intègres qui sont capables de camper pour sauver le monde. I'm telling you, even in our church, we need leadership. Dans l'église, nous avons besoin de leadership. Nous ne pas prêcher sur leadership. Nous avons prêché qui enverrai-je, me voici, envoie-moi. Puisque nous tous répondons pour nous aller, quand on répond pour aller, automatiquement, on vit nos leaders. C'est pas vrai? Leur leader ou ap lead, ou pas lead sous apparence, ou pas lead sous amitié. Ou lead selon la loi de Dieu, selon ce que Dieu veut pour tout le monde. Parce que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. We need leadership. When the Lord calls you to go, you have a mission. You need to accomplish that mission faithfully, impartially. Ça veut dire que ce problème de leadership que le monde a besoin. Il dit des hommes qui craignent, qui ne craignent pas appeler le péché par son. This is what the church needed also. Sometimes, if I'm preaching, sometimes I'm talking about myself, not you. And I see people, but let me take it away from you. I see Clovis. I know what Clovis is doing is not right. But Clovis is a good friend of mine. I changed the message, not to hurt him. Mais samedi, je m'a prêché message là. Puisque Clovis est un bon ami, moi, je connais qui ça l'a fait pas bon. Et puis moi, message là, je parle avec elle et puis je flippe. Je change message là, je parle de bagaille carrément. Pour me comprendre, pour me chercher bonne grâce. We don't need these kind of leaders. We don't need them. We need leaders that preach the truth. And I can say, forbid me naked truth. Pas habillé. La vérité, baili. Mais baili avec amour. C'est pas vrai? Mais baili. Et si vous prêchez, tout le monde agréé à son audience, vous don't preach. Vous allez comprendre? Et pas dire amen qui fait que vous comprenez tout le monde agréé avant, non? Tout le monde agréé avant, c'est ça. Et là, on commence à contempler le changement. Il dit, c'est ça l'éternel besoin, le monde qui a appelé péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité, même si l'univers s'écroule. Et éducation, page 67, 5, section 5. Il dit, c'est ça, mon Dieu, besoin. Des hommes capables, qui fidèles, qui intègrent, même Jean, la boussole est fidèle au pôle. Même si l'univers t'a crasé ou resté intègre. This is what the Lord needs. Leaders. Leaders. Who shall I say? Isaiah responded, here I am, O Lord, send me. That's what we need today.
Sometimes you don't understand. You're arming yourself without understanding. You prefer to stay home. Oh, I cannot deal with this or that. We are all dealing with the Lord. If I cannot deal with you, et parce que relation pas avec bon Dieu pour qu'on soigne, les relations avec bon Dieu soigne, me connaît qui plan mal et en gain, que l'on soit ça, mon enfer m'a supporté. M'a supporté dans le malon, m'a supporté pour m'aider. Sans limite. We need a tie to set aside all our differences. Nous besoin tout ça pour nous mettre de côté toutes les différences qu'il a mis en nous. Pour que le Saint-Esprit prenne possession de la vie. Nous besoin un temps pour nous dire l'Éternel. Voyez sera fait pour moi. Prends pisette, prends charbon, brûlez lève moi. Enlevez mes iniquités. Expiez mes péchés. Remplis par Saint-Esprit ou parce que moi voulais aller pour où? Moi voulais aller pour où? Et quelques paragraphes encore dans le livre d'éducation 68, page 68, section 2, il dit, les jeunes doivent se pénétrer de l'idée que leurs talents ne sont pas leurs propriétés. The young people have to understand the idea. Your talents are not your own. The Lord gives them to you to use them for Him. The capacity you have to do things, they are not yours. The Lord entrusts them to you to use you for others. Force, temps, intelligence sont des trésors qui leur ont été confiés. Toute force ou toute intelligence ou ces trésors que bon Dieu confie à nous pour nous capables. Talking about young people, your talents, your force, your intelligence, the Lord entrusts them to you that He can use you to do His work. He's calling you also. You shall answer, Here I am, O Lord, and send me. The Lord calling young people as He's calling adults, because He needs some people He can send. Wherever the problem is, there are some problems I cannot solve. Anyone has a talent that there is a problem a young people can solve. We are all important. This is a time also we need to consider what is the church. The composition of the church. The composition of the church is not the main leaders who always pretend preaching or doing stuff. The composition of the church, including the children, the young people, the adolescents, the adults, and the old, the jeunes de cœur, c'est pas old people, mon Dieu va l'en dire. Jeunes de cœur, nous, c'est pas vrai. C'est-à-dire que nous faisons pour nous considérer, nous faisons ensemble, nous devons considérer toute couche qui est dans l'église pour nous travailler main dans la main pour la prédication de l'évangile, préparez-nous pour Jésus retourner. We need the young people. Il dit que chacun est une branche dont Dieu espère qu'elle portera des fruits. Oh, young people, you are a branch also. The Lord expects you to bring fruit. To go, to call others. Un administrateur dont le capital doit augmenter. Une lumière pour éclairer la nuit, le monde. Il dit, you are the light of the world. And the world is living in darkness. Dans l'obscurité. Le monde a vécu l'obscurité. Est-ce que nous croyons ça? Nous ne croyons pas ça? Mais the Lord says, we are the light. Si l'obscurité nous pas pénétré, nous espérons que si nous mourons dans l'obscurité, nous-mêmes nous sauvons. He called for each and every one of us to wake up. Il dit chaque jeune, chaque enfant, a une œuvre à accomplir pour en l'honneur de Dieu
et pour ennoblir l'humanité. Each young people, each child has something to do, to accomplish for the Lord, in honor of the Lord, to bring the humanity where it's supposed to be. Nous gagnons mission pour nous accomplir pour l'humanité, chers frères et sœurs. Today, the Lord has called us. As he called, même Jean, literally Esaïe. I am glad you all answer. Here I am, O Lord, and send me. At this time, Esaïe criait. Il reconnaît petitesse. Il reconnaît insignifiance. Et là, l'Éternel relait, il paraît les mouns qui proclamé au pasteur, moun ki proclamé au disciple date non relé tout moun pour li capable équiper au pour voyer. Today the call, you see a miracle. Well, I'm finished and but I'm finished. I don't need it. Is there more? The Lord need us. He make a call. Who want to answer the call today? Who shall I send? Qui enverrai-je qui marchera pour moi? Tout le monde qui t'a voulu marcher pour l'Éternel, campé. Qui enverrai-je qui marchera pour moi? À l'instar du prophète Esaïe, me voici, envoie-moi. Et qui s'est dévoué là, le dit peuple. Nous tendez, nous ne comprenons pas. Nous gardez, nous ne pas saisir. Parce que l'autant de comprendre, ou une réaction pour faire. L'autre regarde, ou saisir, ou une réaction pour faire, pas vrai. Ça veut dire que tendez ou pas mettre en application, c'est comme si vous ne faites pas un. Ou garder ou pas faire différence, c'est comme si vous ne faites pas un. On y est. Et l'Éternel qui nous a appelés, puisque nous répondons à l'appel, nous garantons la paix qui peut nous toutes. Et n'a pas accompli mission. Hein? Et nous comprenons que l'Irélé. Young people as adults to go in the world to tell them the Lord is coming soon. This is a wake-up call. We need to walk in the truth. Don't stay home. I'm glad the church, we got a bunch of people coming to the Lord. This is the best place you can be. In the presence of the Lord, I know the Lord is going to bless each and every one of us. Those who are listening in YouTube, Facebook, on the telephone line, since you stand today to go for the Lord, let's have a word of prayer. Bon Dieu, Papa, nous qui en haut dans le ciel, de même que le prophète Esaïe gardait, lui voit chita sous trône, lui voit grandeur remplie tout temple, lui voit séraphin à servir, à prier, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, que toute la terre remplie de sa gloire. Nous demandons au Seigneur le moment ça. Si au moment plus que jamais, nous besoin que pour gloire remplir toute la terre, c'est maintenant. Nous demandons au Seigneur pour camper. Où allez-nous pour voyer nous? Nous répondre à l'appel. Prends-nous tel que nous sommes. Transformez la vie nous. Chassez loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Remplis-nous par la puissance de tout cet esprit et que nous capables d'aller dire au monde. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Notre délivrance est proche. Et non seulement le peuple va prêt. Nous-mêmes avec famille, nous va prêt. Et nous va continuer le travail pour vous. Et trompette va sonner. Et Jésus va retourner. Nous capables de sauver pour le temps, pour l'éternité. Pour que le travail soit complet. Nous demandons le moment ça. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Consomme-nous dans l'unité, dans l'amour et la charité. Chassez les indifférences. Chassez les divisions. Consomme-nous dans l'unité. Sauve-nous, sauve ton peuple, sauve tes enfants et sauve le monde. Pour la gloire de ton Seigneur, nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Baby city. Nous voulons remercier Dieu tout d'abord de nous avoir visités.
Nous voulons aussi profiter de cette opportunité pour adresser nos mots de remerciement à l'endroit de chacun de vous qui avez suivi ce programme via les différents médiums de communication. Merci à nous chaque qui t'ont fait déplacement pour capable rendre le programme possible. Amis visiteurs, nous sommes contents avec nous, que mon Dieu bénisse. Le numéro 50 est celui qui met fin au programme de cet après-midi. Levons et chantons d'un seul cœur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse remplissait notre cœur. Les alliés éternels et des saints du ciel, nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Nous guidons, fait appel à nous pour nous capables d'aller pour vous, Seigneur.
Nous remettons la main corps, âme et esprit. Transformez la vie nous, équipez nous et envoie nous avec ta toute puissance et que nous capables proclamer au monde la bonne nouvelle du salut. Alors que nous allons quitter le lieu ça bientôt avec la détermination d'aller annoncer la bonne nouvelle pour toi. Nous supplions la grâce infinie pour capable tourner face nous vers nous, pour capable garder nous, pour capable trouver face nous vers nous, pour capable accorder nous grâce, pour capable prendre charbon Adam, ange dans tes prince Séraphin, pour capable brûler lèvres nous, pour capable purifier nous, pour capable expier péché nous, pour capable sanctifier nous, pour va transformer la vie nous et on va préparer nous pour ton retour en gloire. Qu'il en soit ainsi, nous prions au nom de Jésus qui vit, qui règne et demeure au siècle des siècles. Amen. Le travail de la commission de nomination qui a été appointée par l'Église pour nommer les officiers pour l'année 2022.